Salut les petits amis, salut, salut. Du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule. Collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule, on l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, le boulet du gamer. C'est le Marcus, Marcus, The Frozen Lazarus, qui danse la Chewbacca entre deux balles de pita. C'est le Marcus, Marcus, The Frozen Lazarus, ton ami pour la vie. Level One, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, comment, avec une tête de clown et les moyens du bord. De ta vieille Super NES au dernier Mario Kart, il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. Des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, The First and Last of Us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. Marcus, Marcus, The First and Last of Us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. Marcus, Marcus, The First and Last of Us. Et on danse la Chewbacca entre deux pains de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, The First and Last of Us, ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, The First and Last of Us, Marcus, Marcus, The First and Last of Us, Marcus, Marcus, The First and Last of Us, Marcus, Marcus, and last of us. Marcus, Marcus, the first 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 and last of us. Marcus, Marcus. Ah, bah c'est fini. Salut les petits amis, bienvenue à la maison! Est-ce que tout marche? Je croise les doigts à chaque fois pour que j'ai bien tout mis. J'avais pas changé le petit scotch en haut tout à l'heure, c'était encore resté sur le test technique. Généralement, tout est bien là, tout est bien. Salut les amis, salut Jim la Saturne, salut Camiga, salut mon Prédamike, salut Syntax Error. Prédamike, j'ai vu que t'avais laissé un message sur WhatsApp. Je vais jamais sur WhatsApp, mais pour toi, je vais y aller. J'ai pas répondu encore. Salut 49.3, très beau pseudo. Bienvenue à mon dindin qui est là pour veiller sur nous, mon Vlacero, qui est toujours là, fidèle au poste, et le Snakehead qui doit être en embuscade quelque part. Salut, et Spider Saiyan. Oh, un croisement entre Spider-Man et... très bien, la rondelle fine est là. C'est parfait. Rajaz est là, et c'est la première fois, on lui fait un gros bisou. Guy Broche, très cool. Et là, c'est parfait. Mon Antoine Demerdital est là. Eurix 6, le Snekou est là. Bravo, Modon, on ne le dit jamais assez. Je suis tellement d'accord avec toi. Merci, Unproject, pour le sub. C'est très, très gentil. Ah non, mais vraiment, j'ai préparé mes couches en ce D88. Je suis prêt à mourir de peur devant l'Eyes of Pi. Et surtout à mourir de nombreuses fois. Donc, ça va être assez sympa. On va faire un petit concours sur le nombre de morts. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde pour nous expliquer tout ça. Oula, ça saute de partout. Merci les amis. C'est mon Florusso. 37e mois. Oh, 37 mois. Incroyable. Incroyable. Plusieurs bébés. Enfin, n'importe quoi. Fais-nous rêver, mon lapin. C'est très gentil. Je vais essayer. J'espère pas vous faire de cauchemars, puisque l'Eyes of Peace est quand même un soul-like. Il n'est pas facile. Ceux d'entre vous qui m'ont regardé m'entraîner ont vu que j'en bavais des fois. Mais justement, c'est bien. On va pouvoir pronostiquer un grand nombre de morts, à mon avis. Surtout que je vais commencer avec le premier boss de fin de niveau. Je l'ai déjà buté, en plus devant vous dans la préparation des level 1. Mais voilà, j'ai confiance en la justice de mon pays. On va ouvrir le bal avec ça ce soir. On va commencer avec cette espèce de gros,
Docteur Robotnik avec les cheveux gras qui va nous tomber dessus. Donc ça promet d'être assez dangereux dès le début. Life of Pi Gepetto, mais ça sent pas trop mauvais. Très bien, ça va aller, vanne sur Gepetto, je me doute. J'étais fier de ma vanne, je sais pas si vous avez vu. Vous avez pronostiqué le nombre de morts ce soir. N'essayez pas de chercher la réponse sur chat Gepetto. Merci Chapeau Poulet pour le sub. Il est mérité le Chapeau Poulet avec une vanne comme ça. Je reconnais. Content de vous retrouver les petits amis pour ce vrai stream du jeudi soir, ce qui est notre petite tradition depuis 2018 maintenant, donc ça commence à bien faire. Et on se fait toujours bien marrer avec ce... Oh là là, ça sub de partout, vraiment, merci. Merci encore Alfio Russo, mais... ah non, c'est Qatari qui offre... C'est Qatari qui envoie des cadeaux à tout le monde. Non mais incroyable. Qatari, moi je t'ai envoyé des cadeaux. Ils sont partis hier. T'as deux petits cadeaux. C'est pas des gros cadeaux. C'était pour le principe. Je crois que c'était ton anniversaire la semaine dernière, non? Ou un truc comme ça. Et puis même pour le principe, voilà. Le Qatari, enfin la Qatari, puisque c'est une fille, est généreuse. Qu'elle travaille aux impôts, donc elle a, c'est elle qui a nous sous, en fait. Du coup, elle offre, c'est le Robin des Bois des impôts. Elle redistribue l'argent des impôts sous forme de sub pour vous. On peut l'applaudir. Voilà, le dit chapeau à Qatar. Merci à toi. Vraiment, encore une fois, je réclame pas des subs et tout ça. Hein. Il y a des petits streamers qui méritent plus que moi vos abonnements. Donc, ça me fait toujours plaisir. Si ça vous fait plaisir, c'est très bien, mais vraiment, vous n'êtes pas obligés. D'ailleurs, en parlant de ça, vous savez que quand vous êtes abonné, vous échappez aux publicités. Donc ça, c'est cool pour les abonnés, ceux qui sont abonnés payants, les followers qui ne payent pas, eux, se mangent de la publicité. Alors, je ne sais pas quelle fréquence, et c'est pas moi qui décide. C'est-à-dire que c'est Twitch qui balance des pubs un peu quand ils veulent tout au long du stream. Voilà, ce qui est un peu chiant pour les gens qui sont pas abonnés, qui n'ont pas payé. Donc, je me suis dit, comment faire pour que ce soit moins pénible, que les pubs n'interrompent pas sans prévenir au milieu du stream, pour ceux qui ont fait le choix de pas s'abonner, puisque j'arrête pas de vous dire que ça sert de s'abonner, ou que c'est pas bien grave si vous abonnez pas. J'ai discuté avec Mr. MV, qui est venu faire un level 1 mercredi matin, que vous verrez dans la semaine, on s'est frité à Mortal Kombat, c'était pas mal. Enfin, il m'a frité à Mortal Kombat, pour être précis. Et lui m'a donné la petite astuce, on peut, nous, streamers, déclencher la pub au moment où on veut. Donc on a fait des petits tests ce matin avec Vlacero et Dindin, et on peut lancer des pubs quand on veut. Quand je décide, on tape slash commercial, une pub de 30, 60, 90 secondes, 180 secondes, voilà. Donc ce que je vous propose ce soir, on va expérimenter ça tous ensemble. À un moment, je vais faire une petite pause, pas longtemps, hein, vraiment 2 minutes, c'est juste pour laisser passer les pubs en fait. Donc à un moment, je pense d'ici 1h30 à peu près, on balancera de notre propre chef une petite salve de pub. Et pendant ce temps-là, je ne ferai rien de spécial. Je ne serai pas dans le jeu en train de faire un truc extraordinaire. Donc pour tous les abonnés, ça sera transparent, c'est-à-dire que vous continuerez à me voir comme si de rien n'était. Les autres, vous allez vous manger de la pub, mais pendant ce temps-là, promis, avec les abonnés, on se dira pas des secrets ou des trucs. On dira pas du mal de vous. Oui, qu'est-ce que c'est que ces crevards qui s'abonnent pas? Oui, ce genre de truc. C'est pas le genre de la maison. Donc l'idée, c'est de vous essayer de faire en sorte que les pubs n'interrompent pas le stream à un moment embêtant pour ceux qui ne sont pas abonnés. Voilà ma petite idée de la soirée qu'on va expérimenter. J'espère que ça va fonctionner. Il est probable qu'en attendant ce moment, on va dire au bout d'une heure, 1h30, où nous, on va décider de lancer de la pub, Twitch, de son côté, décide de lancer des pubs. Ça, je peux pas l'empêcher. Ce que je peux faire, c'est demander un délai avant les premières pubs, mais je crois que le délai n'est pas plus d'une demi-heure. Donc c'est un peu bête de faire une pause au bout d'une demi-heure seulement. Enfin, voilà, ça demande à être expérimenté, et on va faire ça ce soir. Donc voilà, ce soir, on expérimente la pause pub. Ça, tout le monde aura le temps de faire pipi, moi le premier. J'ai des couches, donc ça me gêne pas. En fait, je peux faire des streams pendant 3 heures, c'est pas gênant. Mais voilà. Mais là, j'ai ma petite gourde à côté et je compte bien boire toute la soirée. Quand je vais être fatigué, je vais piquer du nez. Oh, pas mal, c'est pour de s'attendre puisqu'on joue à Pinocchio ce soir. Et je me fais sponsoriser par Pampers, tout à fait. Est-ce que j'ai un temps de pub imposé? Non, c'est moi qui choisis. Alors, je sais plus combien j'ai choisi. C'est genre par heure 3, 6, 3, 4 ou 6 minutes de pub par heure. Voilà. J'ai dû mettre 4 mois ou un truc comme ça. Parce que ça rapporte des sous quand même la pub. Et là, et du coup, c'est
C'est pas vos sous à vous, alors moins gêné. Je préfère toucher des sous de la pub que de vous. C'est ce que je veux dire. Vous achetiez des jeux avec vos sous. Enfin, et voilà. Non, il engueule les sous. Oui, c'est vrai, j'ai honte. Non, non, mais on voit... ma femme va gueuler si je dis ça. Non, demande-leur des sous, demande-leur des sous. Je dis, mais c'est pas une secte. Je leur demande pas de l'argent, je couche pas avec leur femme. C'est juste mes petits amis. Ils sont, comment dire, incroyablement gentils et serviables et adorables. Mais justement, je ne veux pas abuser de... Voilà. Comment ça, c'est pas une sexe? Et non, Floris, c'est vraiment... C'est Julien qui m'a fait remarquer ça, je vous l'ai déjà dit. Est-ce que tu couches avec leur femme? Je dis, ah non. Il dit, bah alors ça va, c'est pas une... Pas encore. C'était très drôle. Je n'étais pas à Versailles à boire du mouton Rothschild. On m'a pas invité, malheureusement. Là, c'est Amazon qui régale. Bah, très bien, très bien. Et Qatari qui régale. Merci, Qatari. Vraiment, tu es adorable. C'est trop gentil. 36-15 ULA, j'espère. Alors, je contrôle pas le contenu des plumes non plus. C'est encore un autre truc. voilà. J'écoute WhatsApp. Faut que j'écoute ton WhatsApp, Mike. Ok. Je ferai ça après, tout à l'heure. Né pour tuer. Oh, c'est joli, fondu caleçon marron. On va tout de suite nominer fondu caleçon marron, Mandindin, s'il te plaît. Pour Né pour tuer, puisqu'on. On joue à Pinocchio ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ce soir? Eh bien, un truc merveilleux pour la meilleure vanne. Regardez ça. J'ai ressorti ça. J'avais ça depuis longtemps et je le trouve superbe. Et je me dis, il est temps de le faire gagner. C'est une petite figurine de Batman. Enfin, petite, quand même de taille conséquente. Et regardez, c'est au rayon X. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on voit son squelette et on voit même ses petits organes internes. Et de l'autre, on le voit normal. Si je vous le présente comme ça, il est normal. Et là, on voit le squelette de Batman. Je trouve ça vraiment génial. Et c'est un peu gothique. J'essaie toujours de trouver des cadeaux qui sont un peu raccord avec ce qu'on fait ce soir. Je me suis promené dans Paris, je me suis dit si je trouve une marionnette, je vais acheter une petite marionnette de Pinocchio, un truc comme ça pour vous faire gagner. Et j'ai pas trouvé de magasin de jouets, malheureusement, dans Paris. Enfin, il y en avait, mais j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au magasin de jouets. Merci pour l'abonnement, Snake Dice 62. Est-ce que c'est le département? Donc ça, c'est pour la meilleure vanne ce soir. Fondu caleçon marron est déjà nominé. Vous connaissez la chanson, si vous êtes nominé, vous envoyez un petit message privé à New Dindin qui va comptabiliser votre petite vanne. Et à la fin du stream, on décernera le prix de la meilleure vanne parmi les 10 vannes qui auraient été nominées tout au long de la soirée. Et si jamais vous êtes allé vous coucher entre-temps, comme vous aurez envoyé un message en DM à Dindin, on pourra vous retrouver pour vous envoyer votre cadeau. Parce que c'est déjà arrivé que des fois, les gens fassent une bonne vanne, gagnent, et sauf comme ils étaient partis avant la fin du stream, on n'a pas pu leur envoyer leur cadeau. Et on les a jamais retrouvés. Ça a dû arriver deux fois, mais voilà, je le dis au cas où ça arriverait. Deuxième cadeau, cette fois pour le meilleur pseudo. Donc j'ai pas encore nommé les deux pseudos, mais j'attends. Portafion a déjà gagné, par exemple. Ah, petit tips, tous les trucs un peu pipi, caca, cucu, ça fonctionne très bien avec moi. Voilà. Donc ce genre de trucs, ça marche très très bien. Le vieux, ça marche. Oui, si. Street Fighter 2, par exemple, c'est très bien. Bah, Street Fighter 2, on va le nominer, voilà, directement. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'on gagne pour le meilleur pseudo? Regardez, un petit nanobloc. J'aime bien, ça fait longtemps que j'en avais pas offert. Et il est très moche, je pense. C'est un Rottweiler, c'est des vrais saloperies, les Rottweilers, je crois. Et comme il y a des chiens dans le jeu et qu'on va se bagarrer avec des chiens, je me dis, ah, un petit peu raccord quand même. Donc ça, c'est pour le meilleur pseudo. Non, pardon, c'est pas pour le meilleur pseudo. Ça, c'est pour le bon pronostic du nombre de morts. Ok, donc, on va parler ça tout de suite. Vous allez envoyer en message privé à l'ami Dindin le nombre de fois où vous pensez que je vais mourir ce soir. Voilà. Juste un message privé avec le chiffre. Juste ça. Ne l'embrouillez pas. Mon Dindin, il va avoir beaucoup de travail ce soir. Donc, juste avec le chiffre, c'est tout. Si vous voulez lui faire un petit coucou, lui dire bonjour, envoyez ça dans un autre message. Il faut qu'il puisse rapidement mettre de côté tous les pronostics, ok? Donc si vous trouvez le chiffre exact, le nombre de fois que je vais mourir, vous gagnez ce petit nanobloc. Et si jamais vous êtes plusieurs, c'est pour ça que c'est un nanobloc, j'en ai d'autres. Alors c'est pas des Rottweiler, mais c'est des animaux moches à chaque fois, comme un chimpanzé. J'ai également un gorille et un tigre. Il est pas moche le tigre, mais il est sympa, voilà. Donc si vous êtes 1, 2, 3, 4 et même d'autres, je peux offrir des nanoblocks à ceux qui sont les plus proches du nombre de fois où je vais mourir ce soir. Donc juste pour le fun, dites-moi juste comme ça, on ne les comptabilise pas là, mais ça va bien Grisot. Combien de fois vous avez pensé que je vais mourir ce soir? Allez-y, balancez vos petits pronostics. Dis trois fois mon pseudo. Ah oui, alors l'ami Savis
La Miss Abyss, on va la nominer, mon dindin, s'il te plaît. Ça fait depuis la semaine dernière que j'ai repéré son pseudo. Je lui ai dit, viens le jeudi soir, parce qu'elle est venue sur les streams informels où j'ai pas tout le circus en place. Donc je voudrais qu'on nomine la Miss Abyss Capou Caramel, parce que ce pseudo est absolument magnifique. Ça fait une semaine qu'il me trotte dans la tête, donc il faut absolument la nominer. La Béchamel, t'as déjà été nominée, toi, je crois. T'as pas gagné, mais je sais plus. On va nominer, mon dindin, la Béchamel, s'il n'a pas déjà gagné. Mais il va nous le dire tout de suite, parce que je sais que vous êtes très fair-play. De toute façon, je repère les adresses à qui j'ai déjà envoyé des trucs. Il y a même certaines adresses qui reviennent tout le temps. Genre, Guy Bruce, t'écoute, je lui envoie un truc toutes les semaines. Un coup pour le pseudo, un coup pour la vanne. Salut le vélo sans sel, ça va très très bien, très bien. Syntaxe erreur ment, mais on sait pas pourquoi. Je vais mourir zéro fois. Ok, Griso. Mais je suis pas si mauvais que ça dans les Souls, curieusement. Mais là, on commence par un boss, je commence à la dizaine. Hein. 11, 13 morts, 26 morts pour Skywide, 92 pour à l'intérieur, 12 pour le suppôt de sa tante. Merci mon Mix Zelda, 27 mois d'abonnement. Impressionnant. Merci mon grand. 666 comme le chiffre du diable pour le vélo sans sel. 2700 fois, Thomas Anderson me sous-estime. 33 à vue de nez pour Syntaxe Error. 69 fois pour F-Manager. Gland de foire, extrait du plombier, 27 comme Rocco. On va nominer Gland de foire, s'il te plaît, mon dada. Pour son pseudo, qui est anciennement Ray du plombier. Comme ça, si jamais il gagne, il pourra après ça reprendre son vrai pseudo de Ray du plombier. Pour avoir une idée de combien de temps durera le live, il faut faire une belle moyenne. Écoute, on va faire 2-3 heures, comme d'habitude, je pense. Normalement, c'est 2 heures, mais vous me connaissez, j'ai du mal à arrêter au bout de 2 heures. Voilà. c'est pas des nouvelles pour Level 1 avec les anciens animateurs. Ouais, allez, je vous le dis, c'est bon. C'est bon. Johan est à New York, mais il revient, pas exprès, mais enfin, il revient 2 jours avant le tournage mercredi. Ce sera en live mercredi, ils seront là. GG et Johan, Julien, Telouk et moi, tous les 4. On va Overcook, on fera un gâteau d'anniversaire pour Game One. Ça va être génial. Je suis très très content qu'ils aient accepté. Le timing était hyper hyper serré. C'est grâce à Snakehead qu'on s'est rendu compte qu'on arrive à la 500e de Level 1. Et d'ailleurs, au passage, c'est la 500e depuis que moi je suis revenu, depuis 2019. Parce qu'il y en a eu beaucoup plus que ça, en fait. Il y a les autres saisons, je ne sais même pas combien il y en a, mais je pense qu'on est à des moments dont on est 5 par semaine. Donc... je pense qu'on doit être à 1500, peut-être même 2000 en réalité. Mes coups, que ça... Non, je ne vais pas te donner les travails en plus, mais ouais, si on peut jeter un oeil à un moment, j'aimerais curieux de savoir en fait. Je sais qu'à un moment, Alex Pilot m'avait dit, on a fait plus de chez Marcus que tu n'as fait de Level 1. Il y a un moment où on avait dépassé. Voilà, donc si on ajoute les chez Marcus et les Level 1, ça en fait des conneries. Quand même. Mais voilà. Donc c'est dans les tuyaux. Les invitations sont lancées. Elles sont acceptées. Vraiment, tout ira bien. Donc très bonne nouvelle. Mercredi prochain, ne manquez pas Team Game One. Le live risque d'être légendaire. À mon avis, ça va être comme un truc avec les 3 Spider-Man. Il y aura différents animateurs de Level 1 à différentes époques qui seront là. Et ça va être super. Enfin, vraiment, je suis très très content de pouvoir faire ça, c'est chouette. Puis je les aime bien, ces gars-là, donc c'est très bien. Et tous les 4, ça va être un bordel. Je pense que Overcook ne va pas s'en remettre. Voilà. Deuxième bonne nouvelle, Game One sera bien à la Paris Games Week. Ah, on souffle, on respire, donc on y sera, pas de souci. Par contre, je pense qu'on aura un plus petit stand que l'année dernière et je ne pense pas avoir un espace pour vous recevoir comme on l'a toujours fait jusqu'ici d'habitude. Donc on sera sur place, on aura nos stands, on tournera des émissions en direct, donc on pourra se voir, bien sûr, rassurez-vous, et bien sûr je resterai un peu pour vous voir aussi les yeux dans les yeux, mais on n'aura pas tout le système habituel des salons avec ma boulette team et tous mes sbires qui est tous mes mignons qui seront là pour vous accueillir de 24h sur 24 quasiment, enfin de l'ouverture à la fermeture. On pourra pas faire ça, mais je me démerderai évidemment pour quand même être là, présent pour vous, et qu'on puisse se croiser, se prendre en photo, etc. Ce ne sera pas les conditions ultimes, genre avec un petit salon, etc. Ça sera sans doute à l'arrache, avec une barrière, une file d'attente, et puis on fera comme on peut. Mais en tout cas, je serai là, et je serai ravi de vous voir. Donc, ça a une bonne nouvelle, parce qu'on n'était même pas sûr d'aller là-bas. Donc, je trouve que en 350 Level 1 anciens, oh la vache, que 350, moi j'ai l'impression il y a eu plusieurs saisons.
Eh ben écoute, on fera les comptes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous ai expliqué pour le nombre de morts. Vous m'avez donné, là, vite fait, vos pronostics, ça c'est très bien. Mais c'était juste pour me donner une idée à moi. Si vous voulez que votre vote, votre pronostic soit validé, il faut l'envoyer en message privé à New Dindin. Envoyez juste le chiffre, et évidemment, il comprendra tout de suite. Et il pourra noter, faire un petit tableau. Et on verra qui était le plus près du nombre de morts de ce soir. Et dernier truc, donc, le meilleur pseudo. On a déjà 2-3 qui sont nominés. Ce sera, pour le meilleur pseudo, le Gobelet Game One, qui vient de la Paris Game Week, d'ailleurs. Et j'en ai mis pas mal de côté pour vous. Avec, alors c'est pas moi, c'est Julien Telouk sur la, son truc. Je sais pas si on le voit bien. La caméra fait ce qu'elle peut, mais elle peut pas grand chose. Voilà, ça a une petite forme de Game Boy. Il est très classe, ce gobelet. J'aime beaucoup. Et ça, moi, pour moi, je l'orange le matin. Et il est gradué. Vraiment, c'est très pratique pour faire la cuisine aussi. C'est 25 centilitres de farine ou je sais pas quoi. Donc, voilà, vous avez, c'est très pratique. Et c'est collector, puisqu'il n'y en a plus beaucoup. Et qu'il a failli plus en avoir du tout, puisqu'on a failli pas aller à la Paris Games Week. Donc j'espère qu'on reprendra les stocks cette année. Ne serait-ce que pour pouvoir vous l'offrir au fur et à mesure des streams. Voilà, vous savez tout les amis, donc on va pouvoir y aller tranquillement. Je regarde s'il y a des messages. L'ami Sabis Capou Caramel, ça fait des années que je te suis sur Game One et te voir ici, c'est trop cool. Bah moi aussi, écoute, ce pseudo me fait rire depuis le début de la semaine. Ah, ce n'est quoi des infos? Je sais qu'on est prévu entre 400 et 500, je n'ai aucune idée des chiffres de l'émission après ton départ. Ah, oh mon Snake, c'est mignon, il n'y a que quand moi j'étais là que tu comptes. Ok, bah ça fait plaisir. Je suis prêt à mourir, Tigra. Je suis le gladiateur du jeu vidéo. Prêt à mourir pour mon pays, pour mes petits amis. Pas de soucis, aucun problème. Vous connaissez la vanne de... J'adore Guillermo Guise. Vous connaissez Guillermo Guise? Un mec qui fait du stand-up. Un des meilleurs, à mon avis, un des 4 ou 5 meilleurs avec Haroun Bounaïmin. Vraiment, il est dans mes préférés. Paul Mirabel aussi. Tanguy Pasturo, des gens que j'adore vraiment. Et donc, il a un sketch. Guillermo Guise, il est belge d'origine. Et il dit, il y a eu un sondage, il disait que seuls 20% des jeunes Belges seraient prêts à mourir pour leur pays en cas de guerre, quoi. Et donc il dit, bah moi, je sais pas, ça dépend contre quel pays il faut se battre. Bon, mettons, c'est le Luxembourg. Ça va. L'armée au Luxembourg, c'est 4 mecs dans une Twingo avec des pistolets à colle. Franchement, là, après le spectacle, on part à 4 voitures. Dans 2 heures, moi, je suis archiduc, toi, t'es premier ministre. J'adore cette vanne. Je visualise tellement les 4 mecs dans une Twingo avec des pistolets à colle. C'est juste parfait. Est-ce que je serai à 7 Geek Week? Non, je crois que je vais pas y aller cette année parce que j'ai l'impression qu'il se moque un peu de moi, l'organisateur, pour tout te dire. Donc voilà, là j'envoie des messages, il fait un peu le mort. Donc bah, moi j'ai des relations en général franches avec les gens et directes. J'aime pas trop qu'on essaie de me filouter. Donc. Malheureusement, ça va s'arrêter là pour moi. 7 Geek Week à Alex. Et malheureusement, je pense que Kayane, par exemple, voulait y aller. Bon, bah, vu mon exemple, je pense qu'elle va pas y aller non plus. Enfin, tant pis. Avec Camille s'organise. Oui, on est d'accord, Alex. Un petit peu, je trouve. Soraya, ok, très bien. Non, mais c'était sympa et rigolo. C'est folklorique ce salon. Hein. C'est quand même le seul salon où il y a un stand, où il y a une école d'esthéticienne et de vigile dans la même école. Jamais vu ça. Agents de sécurité, et ils forment des agents de sécurité et des esthéticiennes. C'est tout un poème. Incroyable. Oui, mon bioman. Ah, mon bioman qui est là. Très bien. Oui, ah, peut-être qu'on y retournera. Écoute, moi, je sais pas. Je suis jamais fâché. Hein, moi, si les gens m'expliquent les choses clairement, il peut y avoir des raisons à tout. Je suis prêt à tout entendre. Mais me ghoster, ça, j'aime pas. Par contre, là, c'est pas trop le truc. Mais bon, c'est pas grave. Alors, eh ben, si on jouait à Lies of P, bien sûr, regardez, en plus le héros est absolument magnifique. Je vais mettre mon casque parce que l'ambiance sonore est importante. Vous allez me dire d'ailleurs si le son est pas trop fort, si le son du jeu est pas trop fort. Que dans les petites. Dans les petits entraînements qu'on a fait, on entendait un peu trop le son du jeu. Et oui, pour ceux qui débarqueraient, en fait, alors bon, les habitudes du jeudi soir, en fait, je me suis mis à streamer en semaine un peu n'importe quand. Le lundi matin, le mardi après-midi, etc. Quand je prépare les level 1 en fait. Ce qui vous permet de voir les coulisses de level 1. Et l'expérience est assez intéressante en fait. Je trouve que c'est une bonne façon de voir comment je travaille.
pourquoi ça prend 4-5 heures de préparer un level 1 de 20 minutes, et sachant que j'en tourne 4 par semaine. Donc voilà, ce genre de truc, je trouve ça assez intéressant, et je trouve ça cool de vous le montrer. Et vous aussi, visiblement, puisque j'ai autant de monde, là, combien on est? On est 300, et ben on est à peu près 300 le lundi matin, le mardi, etc. À mon grand étonnement, parce que je pensais qu'il y aurait plus de monde le jeudi à 21h. Mais visiblement, il y a énormément de gens qui arrivent, et plein de gens, comme Miss Capou Caramel, que j'avais jamais vu avant, qui me suivent depuis très longtemps, mais qui ne savaient pas que je streamais. Donc avec ce créneau, bah, y a plein de gens qui sont contents de me retrouver, qui me retrouvent, et je trouve ça plutôt cool d'avoir des nouveaux petits amis. Donc bienvenue à tous les nouveaux qui m'ont découvert cette semaine. Voilà, bienvenue dans le vrai stream, regardez, avec des beaux overlays. Merci Flamingo pour le sub. Avec des beaux overlays, des différents trucs de caméra. Regardez, si je veux, je peux vous montrer le jeu. Là, vous voyez bien toutes les jauges de tous les côtés. Alors, pour ceux qui ont regardé aussi Level 1 mercredi, donc hier, je suis arrivé jusqu'à cet endroit et jusqu'au premier boss un peu costaud qu'on va rencontrer. J'ai commencé à l'affronter, mais je me suis fait buter en 20 minutes. J'avais pas le temps de... Mais c'est Spielberg ce soir. J'avais pas le temps de vraiment me concentrer sur le truc. Donc là, on va attaquer avec ça. On n'a pas encore verrouillé le nombre de morts. On va le faire on avait dit à 22h30, mon dindin, je crois. Donc vous avez encore un petit peu de temps. Attends, je vérifie le message de dindin, mais je crois qu'il m'avait dit. On verrouille les votes à 22h30. Vous avez encore... vous avez encore quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? À 22h30. Les pronostics seraient forcément à 22h30. Ok. Donc, vous pouvez commencer à regarder. Si je me fais déjà tuer 20 fois dès le début, vous avez le droit à rectifier votre vote, peut-être. Enfin, je sais pas, dindin, tu me confirmes qu'on peut rectifier ou pas. Voilà. Bon, à partir de là, petits amis du chat, je vous abandonne parce que vous n'aurez pas passé la soirée sur ce boss de fin de niveau. Donc, on va essayer d'y aller et de faire les choses bien. Ce qui nécessite évidemment de la concentration. Voilà, ouais, j'avais complètement raté mon premier coup. Voilà, je prends... Oh ! Merde, j'étais en train de prendre une petite fiole. Ah, ça, quand ils sont rouges, c'est des attaques imparables. Oh là là. Ah, la fiole, la fiole ! J'ai pas eu le temps de prendre la fiole. Ah, il m'a recouvert comme... Il m'a souillé. J'étais pas hyper concentré. Et d'une. Exactement. T'avais pas battu King Kong. Ah oui. Alors non, ce que je disais, ce que j'aime dans ce live, c'est qu'ils ont tout fait pour que les choses soient plus agréables que dans les autres Souls. Donc, par exemple, le fait que je récupère mon pognon là, à l'entrée de l'arène, et non pas dans l'arène. Et que si je voulais, je pourrais aller un peu me promener et faire d'autres choses. Pour revenir ensuite vers ce boss. Attends de récupérer ma petite énergie. Oui, c'est la barre verte en haut à gauche. Voilà. Est-ce qu'il prend pas les... Ah, parce que je suis pas sur le bon... J'étais pas sur le bon venu pour prendre mes fioles. Ah, évidemment, ça commence mal. Bon, là, j'ai perdu. Ah, là, j'ai pas eu le temps de me barrer. Mais je vais me venger. Oh! J'ai fait un petit festival là. J'allais dire, va pas s'en remettre, mais évidemment qu'il va très bien s'en remettre. Là, il passe à la deuxième forme. Et je vais en profiter pour aiguiser
Je me suis gouré de menu, mais je voulais aiguiser ma lame parce qu'elle commence à être un petit peu mal aiguisée. Ah merde, j'ai plus le temps, c'est pas le moment d'aiguiser. C'est le moment de se sauver, oui. Je me sauve pendant que je suis en train de me bagarrer avec le menu pour sortir ma fiole. Oh là là, il me sort une attaque imparable, évidemment. Bon, je suis en train de me... Je suis en train... Il a un balai à chiottes qui sort de la tête, tout à fait. Je suis en train de me perdre dans les menus, ça pas du tout. Il faut absolument que je me ressaisisse et que je me reconcentre. Mais ça commence très mal. Merci pour l'abonnement qui crie. En pleine concentration. Donc, si je veux... Voilà. Mais j'ai plus d'aiguiseur. Comment c'est que j'ai plus d'aiguiseur? Ah, voilà. Voilà, ça c'est l'aiguiseur, ça peut servir. Ok. Et maintenant, ici... J'ai de toute façon pas acheté de fiole. On va peut-être faire un peu des petites courses. Quand même. Alors surtout ne pas changer d'arme puisque c'est ça qui m'avait perdu la fois où j'ai essayé. Ah bah j'ai pas de pognon. Mais sinon il y a des trucs à vendre. J'ai pas de pognon parce que je l'ai pas ramassé. Allons ramasser mon pognon. Et voyons voir combien j'ai. Désolé, c'est laborieux. Hein. Faut bien que ça commence. 200, je peux m'acheter au mieux. Peut-être un petit aiguiseur électrique, ça serait pas mal. Acheter. Voilà, 250. Ah, j'ai 235, bien sûr. On va le tenter comme ça, et s'il le faut, j'irai buter un ou deux monstres pour récupérer du pognon. Alors, est-ce que c'est bien aiguisé tout ça? Oui. Est-ce que ma fiole est prête? Oui. C'est la cage aux fioles, très drôle, glande de foie. On va nominer glande de foie pour cette bonne vanne. Allez, j'y vais, je regarde plus le chat. Je me concentre. Troisième tentative. Oh putain, ça commence mal. J'allais dire, il en perd l'équilibre, mais pas tant que ça. Oh. Merde, pourquoi il ne court pas aussi vite que je voudrais? Pas mal. Voilà, il a commencé à fatiguer là. Oh, putain, j'aime pas quand il fait ça. Ah. Hop. Petit coup spécial qui est pas mal. Allez. Ah la vache. Ah la vache. Oh. Merci pour l'abonnement. Ah. Il me reste rien, il me reste rien. Ah putain, il restait pas grand chose. J'étais pas loin. Il en perd la tête et moi aussi. Je deviens expert. j'essaye, mais c'est pas facile. Ah putain. J'ai cru que j'allais l'avoir là. Il restait pas grand chose. J'ai manqué de... J'ai pas été assez prudent. Dans mon 235. Allez, je le retente comme ça. J'étais à deux doigts de le faire. Je suis mort combien de fois? Trois fois seulement? Toujours sur le même boss. Oh bah attends, la première fois que je l'ai fait, ceux qui étaient là sont témoins. Hein. Ça m'a pris 20 fois, quoi. Donc je voudrais pas commencer la soirée sur le même, la même erreur.
Ce serait dommage. Il s'énerve. Allez, le truc chargé là. Ah ouais, il échappait à son truc. J'ai encore mes deux fioles. C'est pas trop mal. J'ai peur, c'est vraiment c'est le genre de jeu qui fait peur quoi. Ah, un fiole vite, barrons-nous d'ici. Oh. Allez, il reste pas grand chose. Ah la vache. Allez, je me déconcentre. En fait, dès que j'arrive un peu trop, je me déconcentre. Ah merde, je crois que ça avait déverrouillé. Je crois que je me suis mis sur la manette et il était plus verrouillé. Il tapait dans le vide. Oh la vache, salut. J'ai vu un petit nouveau. J'avais vu 36 comme mon âge. Oui, on va être sur beaucoup, je pense. Que 4 morts. Alors 4 morts, mais ressenti 40, quoi. Alors allons-y. Je vais peut-être tout de suite. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais peut-être j'aurais eu intérêt à aiguiser mon arme en cours de route. Bon, j'espère qu'on va pas passer la soirée là-dessus, mais si jamais c'était le cas, j'ai prévu des petites sauvegardes. Après ce boss, parce que si je vois vraiment qu'on risque d'y passer la soirée. Ah vache. Ah et ma lame est un peu moins aiguisée mais... Je doute qu'il me laisse le temps de l'aiguiser, quoi. Hop, il me faut ma petite fiole. Ma jauge se préparer. Putain, je viens de passer à côté mon truc. Oh dommage. Ah là il est étourdi, c'est le moment d'y aller. Ah il fait son attaque incroyable. Vite une fiole. Ah, j'ai gâché ma super attaque là. Ah, ça va être chaud. Ah, barrons-nous. Ah, tu te parles, barrons-nous, oui. Ah non, ça passera pas. Putain. Ah, aiguisé, oui, que j'aiguise. On va aller chercher un peu de pognon et on va s'acheter une pierre aiguisée électrique qui va me permettre de comment ramasser le pognon qu'il y avait là, qui va me permettre de
de le chatouiller un peu plus. Parce que là, c'était, ça c'est joué à pas grand chose. Va faire un peu de niveau. Ouais, c'est vrai. De vrai. J'ai même plus. On va faire un petit tour. On va faire un tour en ville, on va faire les courses. Et on va revenir, d'accord? Allez, c'est pas. Mais non, l'expert ne veut pas faire avance rapide, on est en live les amis. C'est le principe de Twitch. J'adore ce bruit de. Ce bruit de ponceuse. Ah, quand je vous disais qu'il y aurait des chiens. On va tout de suite avoir affaire à l'un d'entre eux. Regardez-moi cette sale bête. Voilà. 376. On commence à avoir un peu plus de pognon, c'est bien. Je l'ai entendu le chien, je l'ai entendu. Il n'est pas verrouillé. Et ça, c'est une grosse erreur. On va se barrer parce que même des petits mobs comme ça, pas bien compliqué, peut vous mettre la misère si vous n'êtes pas concentré, ce qui est mon cas là. Voilà, c'était laborieux. Ah oh, merde, il y en a qu'un. Un flingue visiblement. Voilà, j'ai récupéré. Où t'es le gars avec le flingue? Voilà. Il sait faire quand même. Alors là, je sais qu'il y en a un plus gros. C'est dangereux, mais est-ce que ça vaut le coup niveau pognon? On va le savoir tout de suite. Ah, il attaque tout de suite. Avec une attaque rouge imparable. Voilà, en ça, capitaine Haddock. Ah, je pourrais peut-être penser à parer des fois aussi. Ah, attaque. Allez, hop. Voilà, combien t'avais sur toi? Ah, il n'est pas mort. Plus 174. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Est-ce que c'est possible de remettre le grand écran? Oui, oui, oui. Je préférais comme ça. Ouais, je viens qu'à demander avec moi. Ah bah pas moi. Voilà, c'est mieux. Vous voyez pas les jauges, mais c'est pas très grave. Par exemple, vous voyez pas que ma jauge d'aiguisation est au minimum. Donc là, regardez, je vais aiguiser l'arme. Et vous voyez la jauge, tac, qui est remontée parfaitement en haut. Donc ça, c'est très bien. J'adore, on dirait qu'il fait une petite danse quand il fait ça, on dirait un boys band. Voilà, donc vous avez vu les jauges, maintenant on s'en fout. Demande du lait à aiguiser. Sapristi. Ça fait le bruit d'un aspirateur, le truc. Voilà, l'autre, il croit que je l'ai pas vu. Je sais où t'habites. Philippe, je sais où tu te caches. Viens là que je te bute, enculé. La gueule, enculé. Ah, vivement la nuit en Irlande qu'on rigole. Avec ce genre de citation. Eh, hey, mais c'est qui se rebelle? Vite. Ah mais j'ai plus beaucoup, j'ai plus tant que ça de... Voilà. J'ai presque plus de potions de soin. Ça se recharge au fur et à mesure. Oh mince! T'as un beau visage Marcus, mais on voit plus le jeu. Oh mais malheureusement que vous êtes là. Pour me... En plus j'ai fait des trucs super, c'est dommage. C'est dommage. Je vous entends pas, oui c'est vrai. Un sacré Pinocchio, allez, quoi. Je me suis flingué la gorge à faire. C'est dommage. Je viens d'envoyer un SMS. Oui, mais il bip plus mes SMS.
Je ne sais pas pourquoi. Et puis la sonnerie des SMS. Donc, je sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, bizarre. Un truc bizarre. Alors, allons-y. Je voulais faire le tour et revenir à petit point de départ. Maintenant que j'ai 1060, je peux récupérer de la vitalité et je dois pouvoir acheter ma pierre à aiguiser. On va voir ce que je fais. C'était pas si mal un pic de Marcus sans le son et l'image du jeu. Oui, c'est vrai. C'est un peu la version, comment on appelle ça, la version sourd et malentendant, sous-titré, je sais pas comment, on dit. Alors, j'achète le truc, voilà, 250. Et une petite bombinette pour le principe. Voilà. Est-ce que j'ai encore de quoi améliorer mon perso? Monter de niveau. Ah, 862 et j'ai 610. Ouais, peut-être refaire un tout petit tour là, juste à côté. Parce que là, il y en a 2-3, franchement. Hein, on a un tort se priver. Regardez, il me tourne le dos. Ils sont pas réveillés. Lui, je bute son copain, il s'en rend même pas compte. Ce serait bête de pas profiter de l'occasion, quoi. Voilà. Elle est 800 quelque chose, hein, on a dit. Au moment, j'ai pas encore paré un seul coup de toute la bourrinade. 750, très bien. Là, je sais qu'ils sont plusieurs. On a juste là. Merde, j'ai verrouillé sur le chien, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, 827, 900. J'ai de quoi monter d'un petit niveau. Soit ma dextérité, soit mes points de vie. On va voir ça. Salut Fixol, bienvenue chez nous. Hop. Allez, j'y retourne. Là, normalement, entre l'aiguiseur et le truc, je dois pouvoir faire quelque chose. Est-ce que je monte la vigueur? Ouais, je vais monter la vigueur. Voilà, très bien, j'aurai plus de points de vie. Ok, je suis prêt, j'ai mes 3 fioles, je vais refaire un peu d'aiguisage. Voilà, et je vais même sortir l'aiguiseur électrique. Je vais pas l'utiliser tout de suite, faut que je me remette dans le truc. C'est l'ordre de Robocop, ouais. Allez, on y croit. On va voir. Il faut que je reprenne le rythme parce que là, j'ai fait un petit tour, j'ai déjà oublié. Et voilà, et je vais me perturber. Merci Jidop pour le sub. Enchaîné là. Ok. Ah, il est vivace Timothy Chalamet là. Merde, c'est une erreur, mais je rattaque tout de suite. J'ai hésité une fraction de seconde. Faut pas hésiter dans ce jeu, jamais. Stone là, il est stone. Allez, j'en profite. Non, pas là. Oh la vache, il m'a fait le coup de la
La truc imparable. Il m'a fait le truc. Le coup imparable. Merde, c'est moche. C'est moche. Ah mince. Ah puis attendez, je viens d'arracher mon... Je viens d'arracher l'oreillette de mon casque. Et elle est restée dans mon oreille. Comment dire? La mousse est restée dans mon oreille. Bah, qu'est-ce que je vais devenir? Attendez, non, c'est n'importe quoi. Regardez ça. La mousse qui était restée dans l'oreille. Ah là là, les aléas du direct, c'est quand même quelque chose. Je perds mes fils comme Pinocchio. Alors. Je suis bien. Mais on l'a vu, j'avais perdu mes réflexes. Je vais juste en friter 2-3 parce que j'ai vu, c'était pas mal. Le fait de buter tous ces mecs là, ça a commencé à remplir mes jauges. Les petites jauges bleues là, en haut à gauche. Ils sont derrière le scotch que vous pouvez pas voir. Et c'est bon parce que ça déclenche quand même une belle attaque. Et c'est pas mal d'arriver avec ça déjà un peu près quoi. On ne croyait pas que je gâche bêtement mes fioles avant d'arriver au boss. Ouais. Mon problème c'est que là je veux verrouiller lui. Pas les autres connards, voilà. Allez, maintenant le chien, vous voyez que j'ai déjà rempli une barre bleue. Voilà. Ensuite il y a monsieur, je suis venu avec un pistolet. Un duel. Ah, et j'ai vu le colonel Moutarde avec le chandelier dans la bibliothèque. Il m'agresse de dos. Voilà. Pour l'instant ici. Voilà, bon j'ai déjà presque 2 barres bleues de prête. Ce qui est plutôt bien pour mon démarrage. C'est vrai que c'est des couloirs les niveaux. Oui, c'est le seul défaut j'ai envie de te dire, c'est que les niveaux sont quand même assez, enfin relativement linéaires. Donc si je reviens là, normalement, je me refais une petite santé. Alors j'ai pas les moyens de racheter des trucs, mais normalement... Voilà, ça a remis ma santé au maximum. Et mes jauges bleues sont presque prêtes. Donc ça va être un avantage par rapport à lui. Ce que je sais pas, c'est si j'aiguise ma pierre dès maintenant, avec le truc électrique, est-ce que l'effet durera passer la porte? Ça, je sais pas. Allez, je la prépare, on se jette. Allez, cette fois, c'est la bonne. Donc tout de suite, je vais aiguiser électriquement. Voilà, c'est fait. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Prépare mes potions. On y va. Voilà, vous avez vu, ça lui met un peu d'électricité. Ça lui met la pression. Et tout de suite, j'enchaîne avec mes 3 barres bleues. Ah, il est vénère. Et moi aussi. Déjà là, il est déjà vénère. Potion. Ah. Quand même ultra rapide. Hein. S'il en est là, c'est chaud. Potion. Ah, il y va.
Ouais, il est trop fort. J'étais en train de me dire que j'aiguise mon truc, mais non. C'était pas le moment. Bon, ça a aidé un peu, mais pas tant que ça, l'aiguiseur électrique, là. Ah là 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 là. Faut lui écrire en MP, pourquoi? Pourquoi, je sais pas. J'ai raté. On en est à 7 morts, c'est déjà pas mal, hein. Je suis tombé sur un boss, c'est comme un os, effectivement. Pentaxerreur me dit, quand la barre est blanche, il faut mettre un coup fort chargé pour étourdir l'ennemi. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire, mais il est pas tout de suite étourdi, quoi. Allez, c'est reparti. Ma fiole, ouais. Ah vache. Ah vache. Ah, c'est tellement stressant. C'est bien là pourtant. Ça y est, il enlève sa tête. J'étais presque. Même de si loin. Allez, je l'ai presque là. Oh putain, il était préparé une attaque chargée. Yes. Oh, j'en ai chié. Putain, j'en ai chié. C'est que le début. C'est que le début. Merci les amis, merci. Ah, allez, une petite fiole. Une petite fiole. J'étais... Il me restait rien. Il me restait pas beaucoup de points de vie. 7 morts, une victoire. Ça n'a pris que 7 morts. La dernière fois, ça en avait pris 20. 30. Je suis désolé à ceux qui ont subi ça la dernière fois d'avant. Et qui se le retapent cette fois. J'ai plus souffert que dans peine. C'est dire. Voilà. Et on arrive à la fin des votes. En plus, il est 10h30. Donc les votes sont verrouillés et nous sommes déjà à 7 morts. Donc voilà, s'il y avait des gens qui avaient prévu moins de 7 morts, c'est foutu. Mais les autres, vous avez encore vos chances. Je vérifie que je laisse rien traîner parce qu'après tout ce que je viens de faire, ce serait quand même dommage de laisser traîner un petit trésor, mais apparemment non, ça va. J'ai pétonné pas dans le... Ah ! Super ! Eh ben, je dédicace cette victoire à Goldorath, dont c'est l'anniversaire demain, mon Goldorath. Bon anniversaire. Personne n'a jamais eu comme cadeau d'anniversaire une victoire de marque. C'est tellement rare. C'est collector. Donc, je te fais un gros bisou, mon Goldorath, toi qui nous gâtes sans arrêt. Voilà.
envoyer un petit truc pour te gâter moi aussi, mais comment? Mais voilà, en attendant, voilà déjà, c'est virtuel, mais ma petite... comment dire... mon petit truc perso. Je peux pas monter de niveau, là, du coup? Et c'est l'anniversaire de ton mari demain, Gilles Marc? Eh bah ok, Penny Lepat. Eh bah très bien, bon anniversaire à Gilles Marc aussi, incroyable! Incroyable! Et que d'anniversaire! Que de gens bien qui sont nés... à la même époque. Oh là, j'ai 2000, là j'aimerais bien monter d'un niveau. Je suis en forme, donc très bien. Bah, je vais aller dépenser mes 2000 au prochain Stargazer, parce que je pense qu'il y en a un juste après. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est aussi l'anniversaire de Tarjoul demain. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Incroyable, faut qu'on les note, vos anniversaires. C'est fou, c'est fou. Et Thierry, ce sera en octobre. Ok, ah bah, ça promet, ça promet. J'ai pas vu ta vanne, la Miss Abyss Capou Caramel. C'était quoi la vanne? Essaye de la remettre parce qu'évidemment, ne plains pas que je vois pas les vannes. T'as vu dans quel merdier je suis? Excuse-moi, excuse-moi de pas voir les vannes. T'as vu la galère que c'était? J'ai vraiment dû. J'ai besoin d'être extrêmement concentré dans ce genre de moment. Après, le reste du temps, ça va, mais. Enfin, j'essaie, j'attends la vanne. C'est la même chose chaque année, l'anniversaire. Oui, c'est vrai, c'est saoulant. Mais c'est bien, on a des petits cadeaux, c'est cool. Il faut pas que Claire aille vivre à la ferme, car la fermeture est Claire. La fermeture est Claire, elle est très bien. Elle est très bien, elle est... c'est la bonne, c'est la bonne. Mais j'aimerais qu'on se pense pas des vannes, comment dire, hors contexte. Ouais. Les meilleures vannes sont celles qui arrivent en fonction de ce qui se passe ici. C'est ça qui est cool. Elle est drôle. Hein. Le héros s'appellerait Claire, je validerai. Je te nomine. Mais là, va falloir faire mieux que ça, Capricorne. Eh, tu es nominé pour le meilleur pseudo, hein, c'est déjà bien. Regardez comme c'est beau. Regardez comme il est beau, Timothy Chalamet. Oh là là, avec des éclairs carrément, des projecteurs. That is a bad trooper, light a gun and bite me. C'est superbe. Et donc oui, meilleur van, c'est par exemple, voilà, dans Starfield la dernière fois. J'ai essayé de m'amarrer à une station spatiale et il n'y avait pas moyen de s'amarrer, c'était une galère. J'ai fini par exploser en voulant faire ça et la vanne de la soirée, c'était « Amar m'a tué ». C'est pas une vanne qui peut se préparer à l'avance. C'est vraiment une vanne qui doit venir sur le moment. Regardez ça, c'est magnifique, vraiment. Je le redis, mais c'est vraiment un jeu où toutes les 20 minutes, je m'arrêtais et je me disais « Waouh, superbe, la pluie qui tombe, les réverbères ». Le vieil hôtel, genre la tour de la terreur à Disneyland, bah franchement, c'est classe. L'hôtel gratte. L'hôtel qui gratte, peut-être ils ont des punaises de lit. On va se méfier. Punaises de lit, plus grand adversaire de l'homme. C'est moins spectaculaire que ce que je viens de friter, là, l'espèce de docteur robotique avec les cheveux gras. Mais c'est pas mal non plus. Alors, un peu de pognon, c'est bien. Ça me permettra d'acheter des trucs, donc c'est pour ça que je prends le temps de faire le tour. Ah oui, ça me fait penser, on est entre nous. Parce qu'on n'est plus sur Game One, j'en profite. Donc dans les paramètres, on va remettre le sang. Voilà. Parce que vous allez voir que ça gicle pas mal. Il a une chemise blanche immaculée, ben croyez-moi, ça va pas durer. Donc j'étais obligé de l'enlever pour level 1 parce que le jeu est 16+. Comme c'est des marionnettes, ça passe. Mais on pouvait pas montrer trop de sang quand même. Donc j'ai été obligé de l'enlever. Voilà. Je vais signer avec le sponsor Heinz. À partir de là, voilà, ça va y aller dans le ketchup. Regardez-moi. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce heurtoir du 12e siècle que Henri IV enfonça dans le fondement de sa concubine un soir de beuverie. Je dis ça parce que je crois que c'est Zenkai qui m'a gaulé. Il a dit, va nous imiter Stéphane Bern. Et il va dire, je ne résiste pas au plaisir de montrer cette clé que le duc d'Anjou offrit à sa concubine. En fait, ils sont les mêmes gimmicks, donc c'est facile. Alors, est-ce que je mens ou est-ce que je dis, je vais dire que je suis un humain. Moi, je pense que je suis un humain. Parce qu'on peut mentir dans le jeu et ça va avoir une incidence sur le... Comment? Sur la... Ah bah voilà, Zenkai, tu l'as eu ton Stéphane Bern, c'est de ta faute tout ça. Ce que vous allez faire a une incidence sur le scénario. Voilà. Si ton père son moment, c'est pas son équipe grandi. On va voir ça, je demande qu'à voir.
Bonne nuit, Johan. 1977, est-ce que c'est ton année de naissance? Ah, la musique à l'orgue et tout. J'adore. Cette ambiance. Et voilà, tout ça n'était que le pré-générique. C'est quand même un truc de ouf. Un truc de ouf. C'est pas Versailles ici. Je vais nominer Guybrush pour la vanne, c'est pas Versailles. Qui est non seulement en rapport avec le stream, mais en plus est en rapport avec l'actualité et la visite du roi Charles. Ce qui est absolument incroyable. Ah, très bien. Je tire à clipper ça. Très bien. Donc regardez, je trouve ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'aime bien ce truc un peu sépia. Ça marche très très bien. Voilà, Gepetto qui donne vie à sa marionnette. On voit ici une fabrique de marionnettes. Visiblement, si j'ai bien compris le scénario, les marionnettes sont utilisées comme des esclaves, se sont rebellées et ont commencé à flinguer un peu tout le monde. Donc voilà, on va devoir se débrouiller contre ça. Ça rappelle beaucoup le scénario de Steel Rising, souvenez-vous, qu'on avait fait en level 1 il y a quelques temps. Avec, c'était l'époque de, si je me souviens bien, Louis XVI, avec Marie-Antoinette et tout. Et avec des créatures mécaniques, c'était pas des marionnettes, c'était des automates, qui devenaient fous et commençaient à tuer tout le monde. Donc c'est vraiment, c'était aussi un Soul-like, c'était moins bien fait que Lies of P, mais c'était quand même, c'était pas mal du tout, moi j'ai bien aimé. Mais là, c'est un cran dessus, clairement, à tous les niveaux. Les décors, l'ambiance, la musique, le gameplay, tout est vraiment un cran au-dessus. Regardez, voilà, on voit que il y a une révolte. En plus, il pleut, ils sont tout mouillés. Ils vont rouiller. Ah, voilà notre ami. Ça, c'était la porte d'entrée de la gare, je vous l'avais montré dans level 1. C'était vraiment le truc d'accueil un peu flippant. Voilà. Très, très belle ambiance à la Tim Burton. Et voilà notre petit Pinocchio. Il est réveillé par ses papillons. J'ai pas encore très bien compris ce que c'était. Et ça fait rire parce que je vois que c'est des noms coréens. Xavier Bellet dans l'oreillette hier dans le Velon me dit c'est une copie de Bloodborne finalement. Et curieusement, c'est pas des Chinois qui l'ont fait, c'est des Coréens. Ça m'a bien fait rire. Une copie chinoise, c'est une copie. Je dis, ah, c'est dommage qu'on puisse pas faire des blagues un peu racistes sur le Velon. Donc là, j'en profite, on est entre nous. Il n'y a rien de méchant dans l'idée. Alors, bonjour Sophia. Ah. Ah oui, j'ai beaucoup de questions que je me pose. Ah, il est sur les Champs-Élysées. Bah, avec le roi Charles, alors, c'est ça? Alors, c'est le pire quartier, les Champs-Élysées. Bah oui, on sait bien. Racaille, les marionnettes qui se retrouvent là en jogging. Vous pouvez monter de niveau en parlant à Sophia avec de l'ergot à votre possession. Vous pouvez augmenter vos statistiques quand vous montez de niveau. Ah, très bien. Bah, merci, Sophia. Je vais monter ma vitalité. Je vais monter ma vigueur. Voilà. Maintenant, ça coûte 986 de monter de niveau. Et Gemini, c'est le petit criquet qui est dans ma petite loupiote. Faut le sortir de la cave avant, le char d'avoir qu'il vit tout. Oui, tout à fait. On commence à compter les morts maintenant. Le jeu n'avait pas démarré, dit Jim Lassertian, qui est de très mauvaise foi. C'est Sophia Copeau de Bois. Oh, joli, John. Oh, on va nommer Johan 1977 pour Sophia Copeau de Bois. Au lieu de Sophia Coppola. Ah, vous êtes fort, vous êtes vraiment fort. Marcus, tu devrais nommer un chef blague. Il y en a des bonnes ce soir. Alors, t'inquiète pas, quand j'en ai raté en général, je sais que je peux compter sur Dindin et Vlacero pour les nominer dans mon dos, sans me le dire, mais je les découvre à la fin. Et donc ça fonctionne très bien comme ça. Donc s'il y a de la très bonne vanne, vraiment, il le voit tout de suite. Et il me la glisse dans la liste des trucs de nominés. Alors l'ergo, bah, j'avais bien compris que c'était le truc qui permettait d'aller mieux. Et ma petite lampe. Ah. Oui, on va devenir copains. Avec Gemini. Bon, bah j'ai fait le tour des dialogues. Ok.
Alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Se téléporter vers un Stargate. Ah, je peux revenir. On va revenir à un Stargaze. Et regardez comme c'est beau. Je vais pas arrêter de dire ça, mais magnifique. La petite ambiance, la lumière est quand même incroyable. Franchement, ils sont forts. Ils sont très très forts. Un petit phonographe. Une petite musique. Ah bah j'ai rien débloqué comme, comme disque. On verra si on en trouve. Un gramophone. Ah, la bibliothèque. Alors j'espère que le colonel Moutarde avec le chandelier ne va pas me... attaquer pour que je joue du piano. Ah, je vois pas toujours les meilleurs, mon Blasero, parce que quand je suis par exemple sur un boss de fin, je vois plus le chat, vraiment là. Les clients en surprise sont les bienvenus, bah c'est nous, la réservation n'est pas obligatoire, je suis Antonia, voici mon hôtel, bienvenue. Ah, je suis donc une marionnette. Se souvenir de quelqu'un, exhiber ses vêtements. People have no idea so many secrets. Thanks for keeping me company. Dis-moi une instruction, Gepetto. Make yourself at home. If you have any questions, ask. Ok. I see you're here. Your lives. Eh oui, j'ai menti pour rentrer. Ok. Et là, la belle femme, grande femme. Que fou le portrait de Lady Dimitrescu de Resident Evil dans cet endroit. C'est quand même curieux. Très bien. Je me dis que comme il y a une petite pause dans le jeu, ce serait l'occasion de faire notre petite pause pub. Histoire de nous débarrasser de cette des pubs intempestives, j'ai envie de vous dire. Je vais juste parler à ce monsieur, et mon Blasero, si tu veux bien, on va lancer la pub juste après. Oui, c'est clairement un automate. Je peux acheter des choses, hein, tu vends des trucs. Un catalyseur de fable, c'est un truc qui doit recharger mes petites... Allez, tiens, je m'en achète un. Un chargeur de légion. Un rembourrage en polymère qui active la capacité spécifique d'un bras de légion. Ah bah oui, j'aurais dû acheter ça. Eh bah attends, je vais revendre. Je vais revendre un truc finalement. Elle a déjà été diffusée la pub. Ah mince. Alors ça, c'est une pub qui a été diffusée sans qu'on le demande quoi. Oh, je vais le revendre 50, c'est pas grand chose. Ah mais j'ai plein de pognon. Allez. Ah, là, je suis riche. Très bien. Donc, je vais acheter ça qui va améliorer mon bras. On a acheté plusieurs. Ok. Et les petits rouages, c'est juste pour faire diversion. Moi, ça pourrait être utile. En même temps. Et quoi, le grand contrat, on se prend à l'hôtel de John Wick, là. All puppets must obey their creator's second law. On verra, on fera ce qu'on veut. On peut pas faire du mal aux humains. C'est la même loi que les robots, hein, finalement. Et on doit protéger, et on doit pas mentir. Ok. Très bien. Les amis, je propose une petite pub, donc je vais me mettre en bas de cet escalier. Voilà. Et mon petit Blasero, si tu veux bien lancer, on va dire... 180 secondes de pub, ça va faire 3 minutes, c'est pas beaucoup, mais ça me paraît pas mal. Et comme ça, on se débarrasse des pubs. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Hein? C'est pas mal? C'est le moment de faire la photo. Voilà, allons-y. Eh bien, allez, attention, Serge, top magnéto, top pub, mon Blasero. On va voir si ça fonctionne. Vous allez nous le dire. Alors, les gens qui ne sont pas abonnés, dites-nous si vous voyez de la pub pendant ce temps-là. C'est parti, c'est lancé. Alors après, comme il y a peut-être une pub qui s'est lancée
s'est lancé juste avant, ça va peut-être pas marcher. Pub, oui, pour Vache GTI, merci. Gag, pub, bébé de chaud, dit Eddie de Troprec. Et jeune pourtant, comment ça fait que tu connais ces trucs de vieux? Vous savez pas ce que vous loupez, les non-abonnés, Marcus nous révèle tous ses secrets. Lies of Pub, parfait. Et là, Julien Tello qui apparaît pour nous vendre celui qui chante. Très bien. Ah, très bien. 2x7 pubs déjà, donc j'ai craqué, j'ai sub. Merci, Gidop. Mais justement, le but, c'était que vous ne vous sentiez pas obligé de vous abonner pour échapper à la pub, en fait. En balançant la pub à un moment précis, à une partie, mon idée, c'est de vous éviter d'être interrompu par des pubs quand vous n'êtes pas abonné. Donc l'idée, c'est pas de vous forcer à vous abonner, justement. C'est l'inverse. Mais c'est très gentil quand même, merci, c'est adorable. Guillaume Noël qui balance des fausses informations. Marcus est en train de faire un striptease. Il est en train d'imiter Stéphane Bern en train de se dire je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ses pectoraux. Je vais me remettre comme ça. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ces tétons volumineux et délicieux à la fois qui firent la fortune du duc d'Aumale en 1634, bien entendu, dans son château de Saint-Germain. Voilà. Ça, c'est pour les abonnés. Les autres n'ont pas. Les autres n'ont pas droit à ça. Stéphane Nouvern. Marcus vient de dire qu'il y a TGFK. Ah oui, alors vous, vous essayez vraiment de les pousser à l'achat. C'est moche. C'est autorisé les tétons sur Twitch. Je suis pas sûr. C'est pour ça que je ne les ai pas montrés. C'est mieux pour tout le monde. Marcus joue à Starfield pour la pub. Il s'est perdu sur la lune. C'est trop bien. Alors, comment on va savoir que la pub est terminée du coup? Chaque semaine, une nouvelle imitation pour la pause pub. On peut instaurer ça, mon Sneko. Du coup, c'est une exclu pour les abonnés, donc on revient à mon idée de pas vous forcer à vous abonner, mais pas de pub pour Siri. Ah, la pub est finie. Superbe. Galabru, on se le garde pour la semaine prochaine. Merci, Benicio. Et enfin de pub, ça bonne. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Bon, bah ça a marché. Alors on le refera. On a droit à 6 minutes de pub par... Enfin, j'ai réglé le truc pour avoir à peu près 6 minutes de... Ouais, je crois. Non, 4 minutes. J'ai mis 4 minutes de pub par heure, je crois. Donc peut-être que tout à l'heure, on se refera... d'ici une heure, on se refera une petite pause pub. Ça vous va? Donc il est 10h49. On va dire 11h. Allez, à minuit. Bonne année! Je fais une petite bonne année avec de la pub. Ok, si tout le monde est revenu, ça m'a rapporté 1000 euros quand même. Ben, j'aimerais bien. Ça m'étonnerait. Mais j'aimerais bien. Allez, on continue. Je vais quand même visiter Poudlard là, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir un peu partout. C'est quand même un grand hôtel. Et la petite musique classique. Alors, ils ont vraiment fait du bon boulot. Regardez-moi les reflets. Sur le marbre, les reflets de la lampe sur le marbre et tout. C'est vraiment très joli. Encore une fois, j'ai pas dit ça pendant Starfield. Hein. Je me suis pas arrêté pour m'extasier dans devant des décors ou des trucs incroyables. Et quelqu'un? Non, personne. Ok. En tout cas, si je trouve des disques, je peux revenir ici pour les lire sur le gramophone. Là, les statues, si c'était Resident Evil, je mettrais des émeraudes dans les yeux des statues. Ouais, c'est une statue de hipster, c'est quoi? Et des trucs vegan dans la bouche, peut-être, ça va ouvrir un passage secret. Des petits anges. Ouais, dans l'escalier du Titanic. Et là, c'est qui? Néron. Quelqu'un comme ça. Les pronostics vont de 5 à 76, dit Immondindin. Donc 5, c'est déjà foutu. J'espère qu'il n'y avait pas trop de gens en dessous de 7. On en est à 7 morts là, 7-8 morts, je sais plus. Il vous faut la clé d'entrée de chez qui? Lady Lucescu là. On en est à 7 morts, on est à 7 morts. Merci les huissiers. Merci Kira, merci. Lady Elfman. Alors ça représente quoi ces tableaux? Petite nature morte, des bateaux. You're here to see Master Geppetto, right? Come this way. I heard about you from Geppetto, but to see you in person. Ah, wow. Bonjour.
You should take this. Geppetto left it with me. Ah, elle, tu n'as rien dans les mains. C'est une escroquerie. Alors, normalement, là, maintenant, je vais avoir un bras de Spider-Man. Voilà. Tire de la ficelle. Pas grand monde dans cette grande baraque, oui, c'est vrai. Le bras de Légion est un équipement spécial sur le bras gauche. Chaque bras de Légion possède sa propre capacité de combat. Le bras de Légion peut être modifié en différentes formes. Les modifications peuvent être effectuées à l'aide de la machine d'artisanat de Venini. Je crois que j'en ai récupéré une tout à l'heure. Et donc maintenant j'ai pile de marionnettes. Alors je peux pas l'utiliser en intérieur, mais il y a un petit côté Spider-Man. Je peux m'en servir comme un grappin pour... That craftsmanship comes only from the hand. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself. Oh bah tu veux que je te montre un petit accessoire en bois? I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the workshop unit. Bonjour Eugenie, moi aussi je vais t'introduire si tu veux bien. If any of your weapons need work, bring them to me. Ah bah très bien, tu mastiqueras mes armes en cas de problème. Alors, est-ce qu'il y a un établi ou quelque chose? Souvent c'est simple. Un établi qui permet de faire des trucs. Mais la machine, elle était dans mon inventaire, je crois. Voyons ça. Une pièce d'activation de capacité d'organe. Active une capacité spéciale quand il est équipé sur l'organe P. Est-ce que je peux l'utiliser? Matériaux d'amélioration de l'âme. Améliore une lame d'arme normale jusqu'à plus 3. Je vais peut-être attendre d'acheter une arme un peu supérieure avant de l'améliorer quand même. Ah, là mon bras. Fil de marionnette. Alors, un bras de légion pouvant libérer un câble, vous pouvez l'utiliser pour tirer un ennemi vers vous ou vous projeter vers lui. Les rôdeurs ont conçu un dispositif capable d'augmenter leur mobilité en combat contre des marionnettes. Le câble réduit instantanément la distance entre le porteur et l'ennemi, mais ne garantit aucune sécurité ensuite. Alors, track, appuyez maintenant la touche bras de légion pour suivre un ennemi. Esquive. Permet d'esquiver après un coup. Bah, c'est... Vous tirez ou attaquez un ennemi au câble. Puis appuyez ou maintenez la touche bras de légion. Cela déclenchera une attaque liée. J'apprends. Hein. C'est bon, les Clara Organ. Puis dans ta chambre, Pinocchio. Salut Night Trip. Que penses-tu du crowdfunding de ici à bon? Ah, génial. Faut voir que je vous en parle. Et fabuleux. En fait, ils m'ont contacté il y a un moment déjà. Et je vais participer évidemment. Ils ont un projet de musée de jeux vidéo qui est mais vraiment fabuleux. J'en ai vu des trucs dans ma vie. Mais franchement, ce qu'ils prévoient est un truc de folie. À tous les niveaux. Alors, je sais pas trop ce qu'ils ont révélé et ce que j'ai le droit de dire ou pas. Donc, je vais pas trop l'ouvrir. Mais leur crowdfunding est lancé. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ils ont déjà une collection de malades à montrer. Donc, il va. C'est une collection qui mérite d'être vue de toute façon. Et surtout, ils vont créer un endroit absolument hallucinant. C'est pas juste un musée de jeux vidéo, il y a vraiment... C'est presque un parc d'attractions, en fait, autour du jeu vidéo. Avec de la VR, avec peut-être des escape games, des restaurants japonais, des arènes pour faire de la VR, enfin, salle de spectacle, enfin, c'est immense, immense, immense. Le musée du jeu vidéo n'est qu'une petite partie de ce qui est... Mais bon. Et c'est un truc de fou, donc faut vraiment les encourager, faut vraiment y aller. Moi je vais les aider, on va voir à quel moment, mais je mettrai en jeu ma machine à voyager dans le temps, ma Mattel Intellivision, celle qui sert pour les tournages de Retro Game One. Et l'idée c'est de faire en sorte que vraiment ça fonctionne, qu'ils récoltent assez d'argent, non seulement pour commencer les travaux et tout ce qu'ils ont à faire, mais surtout montrer que s'ils arrivent à lever assez d'argent, bah, ça intéresse les gens, ce musée. Et donc là, les pouvoirs publics, les gens autour, je pense, sont assez vite convaincus de l'intérêt de la chose, quoi. Donc là, je suis retourné en marche arrière. C'est pas une bonne idée. Il faut que j'aille là. Ça m'a perturbé, cette histoire.
Mais oui, je vais vous en parler. Là, c'était pas le moment ce soir de retweeter leur crowdfunding. Ils en sont déjà à 400 000, j'ai vu passer. Ce qui est vraiment très très bien. Ils avaient besoin de 50 000 au départ. Mais s'ils peuvent aller à 500 000, 1 million, 2 millions, franchement, ce sera pas de l'argent jeté par la fenêtre. Ça va vraiment être un truc hyper important pour nous les gamers. Et vraiment, j'ai vu des trucs très bien, des très chouettes musées. Je me souviens à HTT Game, notamment le Pixel Museum, j'aimais beaucoup. C'était la collection d'une seule personne, quasiment. C'était fou ce qu'il avait réussi à cumuler déjà. Mais là, ça a vraiment une ampleur de dingue. Ok, le petit jardin, alors je m'y perds dans tout ça. Le petit jardin, je l'ai vu. Heureusement, j'ai le droit de sortir mon épée dans le petit jardin. Bon, bah allez, on va sortir là. City Gang, ça a fermé, malheureusement, ouais, je sais bien. C'était compliqué, justement, à cause de... des pouvoirs publics, de la mairie, qui avait prêté des locaux ou qui les louaient pas cher, puis d'un coup, ils se sont dit, non, bah finalement, on va se refaire la cerise et... on va demander très cher pour les locaux, donc c'était intenable, ces tarifs-là. Mais voilà, j'ai bien connu le musée de Shitty Game, puisque c'était mon rêve. Au lieu d'entasser comme je fais des trucs, l'idée, c'est... enfin, l'idée, c'est pas de le faire un jour, mais c'est de faire une sorte de musée Marcus à visiter. Le mec m'a dit, bah, au lieu d'avoir ta collection qui s'entasse dans des cartons au grenier, il n'y a que toi qui la vois, bah, t'ouvres un musée Marcus. Et tu peux enfin exposer ta collection dans des belles vitrines, dans des bonnes conditions, tout se conserve bien, etc. Et en plus, tu fais payer l'entrée aux visiteurs, ça finance ta collection. Donc c'était le combo parfait, c'est vrai, nous autres geeks, on n'a jamais assez de place pour, pour stocker toutes nos merdes en plastique. Donc là, effectivement, c'était le combo parfait. Oh, regardez ça. Ouf. Carrément, un tramway suspendu qui vient de tomber. Donc ça aurait été une bonne idée. Mais bon, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais... est-ce que vous viendriez? Si je fais un musée Marcus, vous venez? Genre, je reconstitue ma chambre, puis vous venez visiter. Qu'est-ce qui se trame? Très beau! Très belle vanne d'Algomus. On va nominer Algomus pour Qu'est-ce qui se trame? C'était très bien amené. Oui, Zenkai veut venir à ma maison, ok. Pour voir est-ce que ça ferait assez d'entrée pour être justifié, il faudra qu'il... au moins un gardien de musée, il faudrait quelqu'un du personnel. Enfin, ouais, vous voyez le truc, c'est quand même pas si facile que ça. C'est très compliqué à mettre en place. Mais dans l'idée, dans le concept, c'est peut-être pas mal. Peut-être quand je serai à la retraite, à la limite. Je finis comme ça en ouvrant mon musée Marcus. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être rigolo. Alors, est-ce que je peux parler avec Jimmy? Your friendly puppet guide. Or friendly. Guide. Last time I woke up, Sophia was there because... sorry. Must be the shock. Bear with... ah, il est un peu sonné. Changer de bras de légion. Non, celui-là, il est très très bien. On va le garder et on va s'amuser. Et je vais pas me téléporter, je vais aller friter des gens par ici. Ok. On attaque une nouvelle, le Marcus Museum. Très bien. Une reconstitution de cette pièce qui a servi autour de chez Marcus. Et pourquoi proposer des séances de jeu sur canapé avec un vidéoprojecteur. Alex pilote dans le fond qui fait avec les 5 doigts pour montrer qu'il reste 5 minutes. Tout à fait. Tout à fait, on reconstituerait ça. Mais alors du coup, c'est dommage parce que là, c'est trop le bordel. La pièce est petite, c'est qu'un garage. Hein. Donc, tout est entassé un peu n'importe comment. Donc, ce serait un peu du gâchis de reconstituer ça dans un endroit où on aurait justement la place de faire un vrai musée avec des vrais... ah, y a que des chevaux morts dans ce truc-là. Avec des vrais... y a un gars, là. Avec une vraie mise en scène, etc. En tout cas, le truc d'ici Japon, il prévoit justement, par exemple, si c'est Donkey Kong, il voudrait faire une jungle, il y aura une pièce Donkey Kong, il y aura une jungle, quoi. Si c'est Zelda, ça ressemblera à Hyrule. À Hyrule. À Hyrule. Petit lapsus. C'est un Kickstarter. Je crois que c'est Hyrule, hein. Donc, vous voyez l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose où les collections sont vraiment mises en valeur, où il n'y a pas... chipote pas quoi. Et surtout, les choses sont pas juste derrière des vitrines, mais tout est jouable, accessible. Évidemment, sauf les pièces de collection vraiment trop sensibles, mais voilà, c'est ça leur idée. Donc franchement, ça mérite d'être aidé. Moi, je vais vraiment m'y mettre. Déjà, je vais filer des sous à titre perso. Je vais m'inscrire au crowdfunding et je vais filer des sous. Et puis, comme je vous le disais, ce sera un des paliers, je pense, ou un événement, un moment pour faire parler du crowdfunding. Je mettrai en jeu ma machine à voyager dans le temps.
Et peut-être on fera une vente aux enchères ou je sais pas. Mais voilà, donc j'ai donné mon accord pour ça. Donc je vais vraiment participer à ça, en tout cas les aider tant que je peux. Et bah, j'espère aussi les aider. Une fois que ce sera en place, si je peux aider, je le ferai avec grand plaisir. Oh, il y a un gars là-haut, il croit que je l'ai pas vu. Mais si, mon bonhomme, je t'ai vu. Voilà. Et là, un peu de pognon. Et là, une petite porte. Mais en général, les portes, elles sont verrouillées avec d'électricité. Mais ça sera un raccourci pour plus tard. Je le note pour plus tard. Un Marcus dans le formol pour le musée. Oui, je pense qu'on m'en paiera. Même si c'est à titre posthume, je participerai. Ça serait quand même un peu flippant de rentrer dans une pièce et un Marcus comme ça. Empaillé. Ça serait pas mal. Bah, pourriez-vous asseoir à côté de moi et jouer, du coup, ça ne dérangera pas. Et puis, je pense pas être beaucoup meilleur une fois mort. Pas meilleur vivant que mort. Je vous rappelle, j'ai failli perdre contre ma chaussure, donc. Un Marcus empaillé. À peu près la même dextérité qu'un Marcus d'aujourd'hui, quoi. Ah, j'ai bien esquivé sa petite balle. Et lui, il a pas esquivé mon petit coup. Par contre. Voilà. Salut, Diskik. C'est de magnifique. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite? Ça a l'air précieux. De l'ossature d'une Lada. Donc, c'est des vieilles voitures de l'ère soviétique. Je sais pas ce que ça fout là, un peu anachronique. Sinon, tout le reste. Alors, évidemment, moi, je kiffe. Ça me rappelle Bloodborne. Et Bloodborne, c'est le premier Soul-like que j'ai aimé. C'est celui qui m'a donné envie de faire tous les autres après. Mais je n'ai jamais retrouvé un univers aussi fascinant que celui de Bloodborne. J'aimais beaucoup Nioh, par exemple, pour la mécanique, pour le jeu. Mais avant de monter, je vais déjà aller voir la date. Mais l'univers, je m'en foutais. Et là, je retrouve un univers qui vraiment me parle, quoi. Ouais, on va récupérer ça. Ok, bon bah je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que l'échelle finalement. Donc on va y aller. Vous avez vu, je suis pas mort encore. Ils veulent faire où son musée de Thèbes? En France ou au Japon? Alors lui, alors c'est vrai que c'est dingue, mais il vit au Japon. Il fait un petit cap tous les deux. Il a un appart! Au Japon, j'ai jamais vu ça. Il est gros comme un gymnase. Et il est à Tokyo, je crois. Pour un appart comme ça. Je sais pas comment il fait. Il a un billard carrément derrière lui. Donc c'est pour dire une idée de la pièce. Et la pièce évidemment est remplie de consoles, etc. Mais c'est pas sa collection à lui. Il a déjà une très belle collection, mais c'est pas sa collection à lui qui servira de base au musée. C'est celle d'un grand collectionneur. Le petit déclic, c'est que ce grand collectionneur ne pouvait plus vraiment stocker sa collection dans des bonnes conditions. Et donc a décidé de la vendre. Et quand ils ont vu ça, les rétro gamers, ils se sont dit plutôt que la vendre à un mec au Qatar. Pas contre toi, ma petite Qatari, bien sûr. Ah, petit raccourci, regardez. Je pourrais passer de là à partir de maintenant. Oh la classe. On est où par rapport au début? On est là. Ah, pas mal. Pas mal comme raccourci. Et d'ailleurs, je vais en profiter. Est-ce que j'ai assez de pognon pour monter de niveau? Non, non, je vais pas me téléporter. Je veux monter de niveau. Ah, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de monter de niveau ici. Pas grave. Alors, par contre, tous les ennemis ont respawné, bien sûr. Sois prudent. Pas me faire avoir. Voilà. Ici, Japon, ils en sont à 411 000. 960. Ah, c'est super. Attends, je vais mettre 10. Les sous que vous m'avez donné ce soir, je les mets là-bas. Fiche. Vraiment. Non, sans être vexant, c'est pas beaucoup en fait. Parce que j'ai eu plein de subs, mais c'est pas non plus énorme. Donc si je veux mettre des sous, vous mettez plus que juste les subs. Mais dans les sous, il y aura inclus les quelques subs que vous m'avez mis ce soir. Et vraiment, encore, je vous remercie. Hein, c'est pas du tout. Pas ça pour avoir des subs. Donc, ouais, ce serait à Bussy-Saint-Georges pour tout vous dire. Et la municipalité est chaud patate pour mettre ça en place. Donc vraiment, ça peut vraiment faire quelque chose d'énorme. Et ils sont
bien parti. Ah, le con. Aïe, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Et regardez la chemise, hein, depuis tout à l'heure, c'est pas la même que tout à l'heure. Quand on n'avait pas mis le sang. En tout cas, voilà, c'est des gens sérieux en qui on peut vraiment avoir confiance. Et qui ont vraiment des bonnes idées et se donnent les moyens de faire les choses bien. Donc, vraiment, j'espère que ça va marcher. Et que ils y arriveront. Je pense qu'ils y arriveront, quoi qu'il arrive. Et le crowdfunding n'est qu'une partie du truc. Et j'ai envie de vous dire, c'est presque plus psychologique, c'est presque plus une démonstration de force des gamers que un réel besoin d'argent. À la limite, ils ont ce qu'il faut pour. Ils ont des partenariats, des trucs qui font qu'ils peuvent quasiment le faire sans le crowdfunding, je pense. Mais le crowdfunding, c'est une façon de montrer que les gamers sont là, qu'ils ont envie de se muser. Et que donc ça vaut le coup de monde s'y mettre. Donc allons-y les amis, aidons-les au maximum. Alors là j'ai refait le tour ici. M'y perds le beau gosse, le beau gosse dans ta belle chemise. Je trouve le perso un peu en bois. Putain, je l'ai pas vu venir lui. J'étais en train de lire le chat. Alors on profite de ce que j'ai vu le chat pour m'agresser. Ouais, joli joli. Tiens, d'ailleurs il est temps d'aiguiser mon truc, parce que là si je pouvais laver ma chemise aussi ce serait peut-être pas plus mal. Il va faire un palier coin photo avec ta statue en cire. C'est pas une mauvaise idée, Tigre Elfin. Alors ici ça a repiponné. Les autres ne m'ont pas entendu. Très bien. Oh merde. Il met du temps à recharger. Et moi je mets du temps à charger mon coup. Donc. Ah, il a bien esquivé le clébard. Un sale bruit au final. Ok, ah ça c'est un deuxième raccourci parce que je me retrouve là encore. Devant chez Clarabelle ou Clément, ça je me souviens plus. Voilà. Au musée Marcus, on pourra avoir un moulage des célèbres gros doigts. Mettrez votre empreinte comme à Hollywood, vous pourrez comparer vos gros doigts aux miens. Ouais, une très bonne idée. Ok, bon voilà, je suis revenu à mon petit point de départ. Donc je vais reprendre le raccourci. Je vais remonter là. Pas la taille du doigt qui compte. C'est la mauvaise dextérité. Voilà, c'est là chez Clément. Et vous avez vu au passage, c'est beau ça, l'affiche de cinéma, les néons du cinéma. Vraiment classe. Ok, donc j'étais tombé là, voilà, c'est ça qui m'a foutu dedans, c'est que je suis tombé de ce toit. Alors que maintenant, il faut que j'aille là. Je vais reprendre une petite fiole parce que je suis pas en forme. Et je vais réaiguiser mon arme. Je commence déjà à fatiguer. Ah. Monsieur chapeau de forme. Il est vénère, hein. Il est rapide. J'ai pas trop fait de parade jusqu'ici. C'est peut-être l'occasion là. Oh, oh ça l'a énervé. Et j'ai pas enlevé beaucoup de points de vie alors que. Ah, il est. Allez. Voilà, il était fatigué. On va le finir. Oh, voilà. C'est beau, les petites étincelles et tout. Sur les toits de Paris. C'est la classe, c'est la classe. Je peux le faire tomber dans le vide, je pense que oui.
Est-ce qu'il y aura une reconstitution de la station de ski de Chamonix dans le musée? Wouah, tu connais bien ma vie, Zenkai. Incroyable. C'est vrai que tout a démarré là. Pour l'anecdote, voilà, pour ceux qui la connaîtraient pas, je suis dans ce milieu parce qu'un jour j'étais parti faire du ski avec mes parents à Chamonix. Il n'y avait pas Tilt dans la librairie de la petite station de ski. Mais il y avait un magazine qui s'appelait Micro News. Je ne connaissais pas. Et donc j'ai acheté Micro News. Et dans ce magazine, figurez-vous qu'à la fin, il y avait une petite annonce où ils cherchaient des testeurs de jeux vidéo. Et donc c'est grâce à cette petite annonce que j'ai commencé ma carrière. Donc s'il y avait eu Tilt dans cette petite station de ski à Chamonix, eh ben j'aurais pas fait ce métier. Ça tient un peu de choses finalement. Et Zenkai le sait. Est-ce qu'il y aura des tartines de Nutella? Alors non, à cause de l'huile de palme. Ah putain, je déteste là les ramoneurs là. Voilà, elle a qu'à tomber, ce sera mieux. Moi je vais me mettre là pour prendre une petite fiole, mais j'en ai plus. Merde, j'en ai plus. Oh merde, il m'a eu en une balle. Ah, c'est con. Ah, il a inattendu le bras. Ah, une petite mort de plus. Descale Ramon. Oui. La vie ne tient qu'à un tilt. Ah, c'est beau, mon Vlacero. Je te dominerais presque si t'étais pas modérateur. 8 morts, très bien, les affaires reprennent. Depuis tout à l'heure, j'ai pas utilisé Jiminy Cricket. Plac, regardez. Ça allume la lampe, on y voit un peu plus clair, voilà. Peut-être que il s'énerve aussi quand il y a un danger ou je sais pas quoi. Donc je vais le laisser brancher, on va voir si ça aide. Ouh, j'ai l'impression de passer l'aspirateur. Voilà, et du coup, il faut que j'aille récupérer mon pognon parce que je suis mort là-haut, donc mon pognon m'attend normalement. Qui est vraiment, je le répète encore, le principe qui m'a donné envie de faire du Soulslike. C'est l'idée de quand on se fait tuer, on va récupérer son pognon. Dans Bloodborne, c'est génial, c'est le mec qui vous avait tué avait votre pognon. Et du coup, il avait les yeux violets, c'est à ça qu'on le reconnaissait. Et je trouvais ça très drôle. De façon de faire. Je sais pas pourquoi ce côté revanche, moi ça me faisait mon. Ça me donnait envie de jouer quoi. Alors, une petite fiole. Là, le frère jumeau de monsieur, je tire une balle. On va s'en occuper. Et toi, je vais te verrouiller parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Ah, il y en a un autre là. Voilà. Et là, je redescends dans la rue, mais ça m'intéresse pas. Plutôt retourner en face. Évitant de tomber dans la rue bêtement pour rien. Ok, là j'en viens. J'avais pris ce qu'il y avait à prendre là-dedans. Je sais pas où c'était. On y va. Sapristi, dit Nightbot. On a un robot qui imite ma façon de parler. Incroyable. Incroyable. Ils sont forts ces intelligences artificielles. Alors, est-ce qu'il me remet pépère ou est-ce qu'il considère que je l'ai déjà buté? Oh, ok, il est sympa. Il considère que j'ai déjà buté. Mais il m'avait bien abîmé, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Et là, je fasse gaffe parce que lui il est de dos, alors c'est tentant, mais il y en a un autre qui est planqué sur le côté. Ah. Voilà, j'ai bien fait le ménage, très bien. Yeah. Une commande, point d'exclamation, trop lolo. Et quoi? 30 minutes après, repub ici. Ah, ok. Alors, il y a des pubs que je ne contrôle pas, malheureusement. Désolé, tritritron. Ah, alors, attention, parce que je vais pas me faire avoir deux fois par ce con de ramoneur. Voilà, il est tombé dans le vide. C'est très bien. Bien fait pour sa gueule. Et je suis con, parce que j'ai mon... Il est où l'autre?
J'ai mon bras à grappin que j'ai pas utilisé depuis tout à l'heure. Donc ça vaudrait le coup quand même. Oh merde. Un gros coup de chandelier dans la gueule. Là, collé de moutarde. Prends ça. Une petite fiole. Hop. Ah, et ça c'est mon pognon de tout à l'heure. Donc là, j'ai quand même 8000. Donc, ça vaudrait peut-être le coup de mettre ça en banque. Attendez. Ah, puis là-bas, regardez, il y a un truc en face, là. Si c'est pas tombé de la poutre, ce serait ballot. Abrasif de décharge électrique. Ah, bah, c'est le truc que j'avais tout à l'heure. Attendez, il n'y a pas une petite pièce. Non, c'est bon. Et ça, ça ne s'ouvre pas, là. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? C'est le pognon. Faut que tu retournes voir Sophia à l'hôtel pour monter de niveau. Ah, ok. Bah, faisons ça. Puis après, on reviendra par là. Comme on a ouvert pas mal de raccourcis, ce sera pas trop un problème. Du coup, si je me souviens bien... Ah non, je me souviens mal. De l'autre côté, il y a une échelle qui redescend. Voilà, c'est là qu'il y a une échelle qui redescend. Je me méfie parce que si ça dure salement respawner, voilà. On est pas mal. Sophia avec son stream ficelle. Alors pour ceux qui ont fait des pronostics sur le nombre de morts et qui se disent oh, il meurt plus beaucoup, c'est pas bon. Ne vous inquiétez pas. Il y a forcément un moment où il va y avoir un perso un peu chaud patate. Et les affaires vont reprendre. Souvenez-vous du stream de... sur Elden Ring. Ça s'était plutôt bien passé et j'en ai bavé avec un espèce de chien galeux, là, chien loup. Et je m'y suis surpris à 200 fois avant d'arriver à quelque chose. C'est dommage, j'ai pas mis des petits raccourcis, des petits trucs un peu secrets, parce que là, ce genre d'endroit, on a envie quand même de... On a envie de vérifier si des fois, il n'y aurait pas quelque chose. Ok, allez, on retourne là. Alors, est-ce que je peux me téléporter? Ah ouais, carrément, je peux me téléporter dans les tout premiers. Oh, j'y suis là, je vais pas me téléporter, j'y suis. Allons-y. Et maintenant, mesdames et messieurs, Timothy Chalamet dans... J'adore le rond de lumière, ça fait très Hollywood, j'aime beaucoup. Salut Nico, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est dans Lies of Pi, ça se passe pas trop mal pour le moment. Je vais retourner... augmenter un peu les niveaux du perso et après on va revenir à la bagarre. Heureusement, si on est à 80 morts ou plus, ah j'ai pas vu, il y aura un bonus, c'est ça. Le gameplay univers de jeu ressemble à Bloodborne. Tout à fait, Lomiri. C'est vraiment moi, c'est Bloodborne qui m'a donné envie de m'y mettre et je retrouve exactement ça. Et depuis Bloodborne, j'avais pas trouvé un univers qui me plaise autant. Et j'adore ce côté un peu vieillot, le sépia, puis c'est magnifique. Regarde, ces décors sont incroyables. Alors, bonjour Sylvia. Ce serait pour monter de niveau, s'il te plaît. J'ai 8000. Autant te dire que je vais me la monter, ma vitalité, et je vais monter ma vigueur aussi. Capacité. On va la monter aussi, j'ai pas touché jusqu'ici. Et mobilité, c'est vrai que ce serait bien. Ah bah, j'ai pas assez d'ego. D'ergo, j'ai pas assez de pansement. Il reste 1350. Non, il reste 790. Maintenant, ça coûte 1350 de monter les... De monter les trucs. Ok, on va aller faire les courses alors. Allez, c'est reparti. Salut Dev 5610. Content toujours de voir des petits nouveaux. Hein. Ça fait vraiment plaisir de retrouver tous ces gens qui me regardaient quand ils étaient petits et qui découvrent
que je suis sur Twitch alors que c'est depuis 2018. Faut dire, j'ai pas des méthodes de communication très agressives non plus. J'en parle pas assez, je crois, autour de moi. Je devrais en parler plus chez Game One déjà. Parce que les gens qui regardent Game One, qui m'aiment bien, sauraient que je stream. Et il faut. Oui, on est sur Xbox, tout à fait, Tigran. Parce qu'il est sur le Game Pass, il est gratos sur le Game Pass. Donc, bon, honnêtement, je sais pas combien il vaut en vrai. 70-110 euros, ça les vaut. Mais gratuit sur le Game Pass, enfin gratuit. Pour le prix du Game Pass, c'est quand même génial. Quoi. Super d'avoir ça. Allez, on est reparti, notre petit circuit. Au bout d'un moment, ça devient la routine, mais justement, dans tous ces jeux, faut jamais se faire avoir par la routine. C'est dès qu'on est en confiance et qu'on dit c'est bon, j'ai fait mille fois, et qu'on se fait déborder comme un con. Et moi, plus d'une fois. C'est un jeu où faut jamais perdre son sang-froid. Vous voyez, par exemple, je m'attendais à l'avoir à la surprise. Le Mexicain, il y a 20 piges, tout le monde leur a donné flingué à la surprise. Et ben là, c'est pareil. Hop. Vous voyez, hop, ne me fie pas. Les frères Lumière, là, ils en profitent. Tiens, Auguste, tiens, Louis, prenez ça. Je sais pas si c'est Auguste. Louis, je suis sûr. Auguste, je suis pas sûr. Allez, frères Lumière. Vous allez me dire. Vous avez plus de culture que moi. Il n'y a pas un air de Garcimore jeune, ce héros. Ah, tout à fait. Tout à fait, Lion Lior, regardez ça. Et les contrastes, je vais vous faire un tour de magie avec mon bras qui coulait. Alors regarde, les messieurs, là, il a un flingue. Et pof, il vient me voir et j'ai fait un coup d'épée. Ah, oh, j'ai raté, c'est dommage. Ah bah voilà, c'est vraiment Garcimore. Hein. La preuve est faite. La preuve est faite, les amis. Ah, ah, trop drôle. Il m'a balancé par-dessus le... l'immeuble, incroyable. C'est une chemise qui s'auto-lave, oui, c'est très pratique. C'est très pratique. C'est dommage, on est d'accord, Zenkai. Est-ce que certains d'entre vous ont connu Garcimore? Les plus vieux, oui. C'était un magicien un peu raté. Qui est officier avec Denis Fabre, présentatrice de l'époque, sur TF1. Vous êtes toujours des cours de magie rigolo avec ses souris. Tic-tic et tac-tac. Et oui, tout le monde a connu. Non, mais c'est dingue. Et Denis Fab, voilà. Ah, une anecdote de Jean Pat à propos de Denis Fab, parce que Jean Pat connaît bien les gens de la télé, de la vieille télé. Y compris les gens de Cognac G à l'époque, etc. Et il m'a toujours raconté que... À l'époque, ça c'était sérieux la télé. Hein. Même Denis Fab qui présentait la météo, fallait pas trop déconner, quoi. Donc dans les années 70, ça se faisait pas d'avoir un fou rire à l'antenne, quoi, en direct. Et elle présentait la météo, enfin, ou les programmes, et bah, parfois elle avait les fous rires, quoi. Donc les techniciens faisaient exprès de la faire rire. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pour la faire rire? Aujourd'hui, le mec il rentre en prison pour ça, mais c'est tellement drôle. À la cantine, le mec il allait chercher une assiette de purée. Le cadreur, et pendant qu'elle présentait en direct le programme du soir, une bonne soirée en perspective, le mec sortait sa bite et la mettait comme une saucisse dans le plat de purée. C'est tellement con, c'est tellement affreux. C'est vraiment drôle en fait, quoi. Et donc, voilà, et j'imagine Denis Fab qui était en plus d'une bonne nature, j'imagine. Elle a eu bien rigolé avec les mecs de la SFP à l'époque. C'était quand même quelque chose. La grosse blague vraiment bien lourdingue. Qui vaudrait mais carrément de la prison aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, on se posait pas ce genre de questions. Et ça faisait tout le monde. Moi le premier, franchement, alors j'y étais pas, hein, bien sûr. Et je tiens cette anecdote de Jean-Pat. Je ne sais pas si elle est vraie, mais je fais confiance à Jean-Pat. Bon, Jean-Pat, t'es peut-être là. Tu pourrais confirmer si tu es là. Bigard serait fier, ouais. C'est clair. Et on, l'histoire ne dit pas si quelqu'un mangeait la purée après. Voilà. Mais en tout cas, c'était la bonne blague. Alors, là, il commence à y avoir du monde, donc je vais être un peu plus prudent. Lui, il m'a pas vu.
Donc je vais y aller cash. Et bah voilà, sauf que entre temps il m'a vu. Oh, et ça balance de la grenade de là-haut, si j'ai bien compris. Oh merde, j'ai verrouillé sur l'autre là-haut. Voilà. Ok. Il est parti. Ah non, il est là. Ok. Pareil vite. Ah putain, ramoneur. Il y en a un ramoneur. Voilà. Est-ce que c'est... J'allais dire, est-ce qu'il s'est calmé le grenadier? J'ai l'impression que oui. Il n'a pas le bon angle pour m'avoir. Un autre mec sur le toit. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, ce tramway suspendu, là. C'est classe. Les années 80, c'est une autre époque. Maintenant, ce serait la maison d'arrêt direct. Tout à fait. C'est même les années 70. Donc, il a posé sa garce immortadelle. Tout à fait. Les purées glacées. Mais cette anecdote m'a toujours fait marrer. Alors, lui... Je l'ai un peu perturbé, mais j'ai pas réussi à l'attirer à moi. Je pense qu'il faut qu'il soit un peu plus près pour que j'y arrive. Oh, y'a un mec là! Voilà. Oh, y'en a même plusieurs! Oh, non, un ramoneur! Je déteste les ramoneurs! Leur espèce de charge là, elle est terrible! Ouf! Oh, mais ma parole, mais on dirait qu'ils t'envolent! Ah! Ah! La moitié crevée. C'est le moment de prendre une potion. J'ai pris un choc électrique en plus. J'ai plus de potion! J'ai plus les fouilles dans ses poches! Il me regarde, mais non, j'ai rien! Ah, j'adore la gueule qu'il a fait! C'était vraiment en mode... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, puis le choc électrique, j'ai l'impression que ça ne m'aide pas. Je suis à deux doigts de la potion. Les potions se rechargent, vous voyez la petite jauge violette à gauche. Les potions se rechargent au fur et à mesure. Qu'on frappe des gens. Ça, c'est une idée géniale. Ça facilite le gameplay, justement. Ça fait partie des petits trucs qui facilitent la vie. Ah, je monte à l'échelle ou... Ouf, non, on va s'occuper de lui d'abord. Ah voilà, ça y est, j'ai récupéré ma fiole. Je prends. L'échelle maintenant. Il veut bien. Une relation qui a du piquant. C'était la télé d'un autre temps, ça manque. Ouais, je suis pas sûr que ça manque à Denis Favre, mais... Mais dans l'idée, oui, wow, c'est pas des choses qu'on voyait à l'antenne. On voyait Denis Favre rigoler, et du coup c'était... C'était sympa. J'ai pas bien fouillé cette pièce, mais ça a l'air d'aller. Ok. À part le plancher qui est pas terrible. Ah, quelqu'un là. Il y a d'autres gens autour. Ah. C'est toi qui jette des trucs du haut du toit? Ah non, c'est toi! Voilà! Alors, bande d'emmerdeurs. Ah, il y a un petit truc là-bas. Oh, il y a un trou là. Descendre dedans. Un gars ça? Ouais c'est. J'ai dû tomber dessus mais. Ouais, c'est bon. Ah c'est un ramoneur en plus. Parfait. Lily, tu vas te coucher, bonne nuit. Bah oui, il y en a qui ont une vraie vie, il y en a qui travaillent. Ah j'ai plus de fiole dans ma. Oh putain c'est quoi ça? Je n'ai plus de fiole. J'éteins mon Jimini ou je rallume mon Jimini? Oh, et ma... Comment dire? Mon épée est... Regardez! Mon épée est quasiment détruite. Donc là, je vais l'aiguiser. C'est possible que je me retrouve sans arme, peut-être même. Donc hop, aiguisation de l'épée. Très bien. Liliane Folly. C'est la mort qui arrive. Oui, j'ai l'impression que ça sent la mort. Il a l'air quand même assez gros. On va y aller prudemment. Hein. Pas le déranger. Il se gratte les fesses qu'il m'a pas vu. Là, il y a encore quelque chose que j'ai pas vu. Ah, un petit. Non, je sais pas quoi. Une lettre de l'homme pétrifié. Chère Louise et Charlotte, mon trésor. Je n'entends rien. Je crois que les rues sont mortes. Tout n'est que silence. Je pense que moi aussi, je serai bientôt plus qu'un cadavre pétrifié. Je n'ai pas oublié votre choix, votre voix mélodieuse et Charlotte qui regardait les livres d'images. Cela me manque. La meilleure chose que je fais de mon vivant a été de vous envoyer avec Charlotte trouver refuge à la cathédrale. J'aimerais que ce cauchemar soit terminé. Ah, j'ai un souvenir. Je ne crois pas que c'est possible. Je vous aime, Louise. Je
Je prie pour votre sécurité. Je sais pas à quoi ça sert ces souvenirs. Ok, et là je suis revenu là où il y avait l'échelle. Et là, je reviens. Ouais, bon bah allez, faut se taper le gros là. J'ai pas envie, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Est-ce que on se balancerait pas un peu de pub avant ce truc choquant? En plus, comment on y va là-bas? Ah, il y a une petite plante. Tellement capable de tomber dans le vide. Je propose qu'on se balance une petite pub. Le temps de que je me prépare psychologiquement à ce qui m'attend là. Ah, non, mais j'ai plus vraiment. Je vais monter sur le toit parce que je veux pas d'ennui avec la police. Je pense pas qu'on puisse me faire grand chose d'en haut. Je l'ai eu, donc c'est très bien. Voilà, mon Blacero, est-ce que tu es prêt à dégainer la petite commande? Il va nous permettre. J'ai pas cassé des caisses pour voir s'il y a des trucs dedans, mais j'ai jamais trouvé de choses. Ah bah tiens, j'avais oublié un truc sur ce toit. Très bien. Voilà. Catalyseur de fable. Très bien. Comment on l'utilise, mais voilà. Alors, je fais une petite pause là. Le Blacero est prêt. On balance 3 minutes de pub. Un petit 180. Comme ça, je sais à peu près où on en est. Et voilà. Allez. Slash commercial 180. Donc, les gens qui sont abonnés, restez avec moi. On va rien faire de spécial. Vous savez ce qui se passe quand on a plus. Les autres, vous allez avoir droit à un peu de pub. C'est le moment d'aller faire pipi. Tranquillement. Vous n'allez rien rater, c'est promis, puisque je ne me ferai pas tuer pendant la coupure pub. Donc, vraiment, profitez-en. Est-ce que là, les opis, c'est le mensonge? À cause de Pi, oh putain. On va nominer Gland de Foire pour la vanne sur Pi, les Pi de la vache, j'avais pas pensé à ça. Je resserre ma vessie, je n'ai pas de pub. Tu tiens comme ça, ok. Pendant la pub, c'est pas Lies of Pi, c'est Live au pectoraux de Marcus Zeboulet. Oui, tout à fait. Ah, dis pas ça, j'allais dire ça va donner envie aux autres, mais non. Non, au contraire. Au contraire, je vois les mecs. Oh putain, heureusement que je suis pas abonné. Il nous a montré ses... C'est pectoraux. Les autres ont des abdos en tablette de chocolat. Lui, il a des abdos en Nutella. C'est pas tout à fait pareil. Donc, c'est bien d'échapper à ça. Tous les gens qui sont pas abonnés. Donc, c'est bien. Et le duc d'Anjou, tout à fait. C'est le moment de la petite imitation. On avait dit Galia Bru tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Mais enfin, Pinocchio! Tu ne peux pas rester comme ça avec ton long nez. Eh, ça ne suffit pas. Oh, les nudistes, Cruchot, les nudistes, Pinocchio, les nudistes, enfin. Oh non, les nudistes, Cruchot. Voilà, c'est l'instant pub imitation. C'est comme ça que ça se passe. Sneku ne s'en lassera jamais, pourtant je crois que je le fais de plus en plus mal. Je pense que je le faisais mieux avant, en fait. Ce que vous savez pas les gens, c'est que Marcus est en train de danser avec le slip qui tourne au-dessus de la tête. C'est le meilleur moment. Mais non, 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 ne me poussez pas. Vraiment, c'est le but inverse. C'est justement de se dire, les gens, on lance la pub, pendant ce temps-là, les gens vont aller faire pipi, parce qu'on leur promet qu'il se passera rien d'intéressant et qu'elle racontera qu'il se passera rien, donc... Bordel, je reviens de France Inter et voilà sur quoi je tombe, dit Talaron Delphine. Avec un pseudo pareil en même temps, hein. Qu'est-ce que tu veux? Et dire, je suis obligé de voir ça, dit New Dada. Mais oui, c'est vrai. Et tu devrais me modérer moi, en fait. On n'a pas pensé à ça, mais je pense que tu devrais me modérer moi. Plus que les autres. Ah bah voilà, si vous faites un clip des imitations. Comme ça, ceux qui sont... parti faire pipi pendant la pub parce qu'ils n'étaient pas abonnés, peuvent quand même voir ce qui se passe quand ils ont le dos tourné. De toute façon, c'est écrit en haut à gauche dans le scotch, Marcus fait le guignol. Pas comme si c'était un twist ou un scoop incroyable. Marcus se tartine de Nutella et il est tout nu. Moi, je suis abonné pour les imitations, dit Perixon. Je m'en fous déjà. Ah, il y a peut-être un concept. Mister Fiontastique. Je vais nominer Mister Fiontastique. Pour ce très beau pseudo. Vraiment, c'est cool. Et la pub est terminée. Merci, monsieur Fantastique, de nous avoir prévu. Qu'est-ce que j'ai vu cet après-midi? Ça m'a fait marrer. Déjà, ça fera un bon pseudo pour mon stream. Ah oui, j'ai vu une photo de Marlon Brando.
Et je me dis, Marlon Brando, ce serait pas mal comme, comme pseudo. Je vous le donne, hein, si jamais. Parce que comme j'ai Alzheimer, je vais oublier. Donc s'il y en a un qui se pointe avec Marlon Brando, je vais dire, ah, c'est pas mal comme pseudo. Et je vais lui donner un cadeau. Parce que je suis complètement con. Donc évidemment, ça va. Ah, Jonathan, à la prochaine coupure pub. Là, on se le garde pour la semaine prochaine, Jonathan. Vous connaissez toutes mes ficelles. Là, en plus, ça tombe bien, c'est une histoire de marionnette ce soir. Commencer à connaître toutes mes ficelles. Il m'a vraiment fait rire, Zenkai, quand il a imité à ma place Stéphane Bern avec exactement les mots que j'emploie quand je vais imiter Stéphane Bern. En fait, quand vous regardez bien les imitateurs, souvent ils ont ça, ils ont deux trois mots clés qui permettent instantanément de reconnaître quelqu'un, quoi. Et je trouve c'est fort parce qu'ils arrivent à trouver ces mots-là et ils arrivent à déceler chez quelqu'un quels sont les mots qui reviennent le plus souvent. Et c'est très dur à faire, en fait. Voilà, moi c'est les petits amis qui reviennent souvent. C'est drôle. Alors tout le monde est revenu, tout le monde est rentré, les pubs sont terminées, les amis. J'ai l'impression que oui. Hein. Et nous, une louis de Funès. C'est pas très bien faire de Funès. À part le truc dans Hibernatus. Et quand il est pareil. Il lui explique qu'il va devoir refaire tout son hôtel particulier pour le remettre comme à l'époque de l'hiberner, son arrière-grand-oncle qui est revenu à la vie. Ça va coûter un pognon fou. Puis à faire ça quand même. Et si on lui disait tout comme ça, d'un coup, crac, ah bah ça le tuerait. Vous avez Dodeliné. Hein? Moi, j'ai pas Dodeliné. Si, vous avez Dodeliné, votre groupe, vous avez fait ça. Vous avez Dodeliné. Mais j'ai pas Dodeliné. Dodeliné, c'est ça. Dodeliné, c'est ça. J'ai pas Dodeliné. Ça, j'adore. Ah non, mais ce film, mais je crois que pour moi, c'est un des meilleurs de Funès. Vraiment. Et il y a aussi le moment génial. Allez, je vous le fais en gros plan, mais comme ça, ils n'auront rien raté, les amis qui n'étaient pas là pendant la pub. C'est quand il est déguisé en prétendant de sa femme, en fait, et il prétend être veuf, en fait. Et donc, l'hibernais l'interroge, qu'est-ce qu'il est arrivé à votre épouse? Hein? Votre épouse, que lui est-il arrivé? Oh, le matin, s'est levé, c'était pas bien, puis elle a gonflé, et puis paf! Elle n'a pas souffert, du tout. Et le « elle n'a pas souffert », mais il me tue à chaque fois. C'est génial. C'était vraiment du génie. Ah là là, je l'ai mis vraiment pas très bien, je suis désolé. Fantomas à Scotland Yard est très bien. Oui, c'est avec les bras, là. J'adore aussi. Je kiffe. Allez, on revient sur l'écran du jeu, et on continue encore un petit peu, parce que j'ai des devoirs à faire, là. C'est qui m'attend, le gars, là? Donc je vais redescendre là, je pense que c'est possible. Attaque descendante, RB, LRT en chutant, ce que j'avais fait tout à l'heure. Mais normalement, il n'y a personne à respawner. Alors le problème, c'est que j'ai plus de fioles et plus beaucoup de vie. Bon, voilà, on va faire ce qu'on peut. Il est où, Pépère? Il est là. Déjà, si je l'asticotais avec mon... pas assez prêt pour le... Oh, il m'a mis un bon coup de boule avec son petit chapeau à la con là. Ouh, je suis pas bien. Ah, vite. Oh, la grosse tartasse qui m'a collé de grosse patate de forain là. Je trouve que c'est un forain en plus. Ah, il m'a eu. J'étais pas prêt. Psychologiquement, j'étais pas prêt. Hé, hey, 9 morts, les amis. Salut, Acid Burn. Quelqu'un beau, ça. Salutations spéciales depuis l'Algérie. Respect pour le old school. Ah, merci, mon grand, c'est gentil. Algérie, oui, je savais que j'avais des fans. Enfin, des fans. Attentieux, hein. Des amis, des petits amis en Algérie. Au Maroc, je savais, je suis allé au Maroc, je me suis vu à la télé. Je t'ai déjà raconté. Je suis mort et je réapparais où? Je réapparais là, ok. Algérie aussi, je savais, mais ça fait longtemps que je n'ai pas un petit coup. J'ai failli, il y avait une Alger Comic Con, j'ai failli aller, puis il y a eu le Covid, et du coup c'est tombé à l'eau. Je dirais peut-être un de ces quatre. Ça peut être rigolo. Je me rends pas bien compte, c'est beaucoup, beaucoup de fans. Faudrait que je regarde les stats. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient envie de me voir là-bas, je ne sais pas. Dis-moi, est-ce que tu es seul ou est-ce que tu as d'autres amis? Qui regarde mes conneries, qui serait content de me voir venir chez vous. Ok, donc là, je peux pas changer de niveau, faut vraiment que je retourne. Alors, allons-y et allons récupérer
mon pognon. Voilà. On va pourquoi parfois j'arrive dans le dos d'un mec, je peux vraiment l'avoir. Voilà, avec espèce de griffe orange là qui m'indique que je peux l'avoir en mode furtif, et des fois ça marche. Alors eux deux sont un peu énervants. C'est pas mal avec mon grappin. Par contre, ça se décharge et je sais pas comment on le recharge. Allez, on monte. Merci pour le sub. Nominé. C'est bien nominé. On va nominer, on est obligé. On est obligé de nominer pour son sub. 29e mois. Donc en fait... ça se trouve, on se connaît sous un autre pseudo, non? J'y pense un ancien. Alors oui, finalement, nominé. Ah oui, les amis, je vous raconte. Ça me chagrinait trop de rater la nuit Nanarland. Parce que je serai à Pau ce jour-là. Le samedi, je suis à Pau toute la journée. Je suis à Pau le samedi, je pars le vendredi soir. Je suis à Pau toute la journée. Et je rentre à Paris le samedi soir. J'ai fait qu'une journée à Pau. Et du coup, j'arrive à Paris vers, je crois, 22h30 ou un truc comme ça à Montparnasse. Donc, ah, pourquoi j'ai gâché une fiole. Et donc, du coup, je peux être, je crois que j'arrive à 21h40 exactement à Montparnasse. Ce qui veut dire que je peux être à la nuit Nanarland à partir de 22h, 22h30. Tout va bien. Donc je vais faire ça. C'est-à-dire que je vais rentrer de poids avec ma petite valise, ma console et tout, et je vais aller direct à la nuit Nanarland. Donc je pourrais voir les petites merveilles, je vais rater le premier film et je verrai les autres. Donc c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais dormir dans le train pour être en forme quand même. Voilà, lui je la tire ici parce que sinon... Oh, faut pas que je tombe! Oh, quel con! Ah, je suis mort. Ah, je suis mort. Ah, le boulet. Tout ça, mon parent, à 21h30. Si vous voulez faire un comité d'accueil avec tous déguisés en Chuck Norris, je ne dis pas contre. Je ne suis pas contre. Ça peut être drôle. Dis mort, tout rond. Je dis mieux. Non, faut surtout que je fasse un effort là. C'est pas possible. Ah, puis du coup, je récupère pas tout mon pognon. Ah, oui, autre chose, regardez. Dans les autres Soul-like, j'aurais perdu tout le pognon que j'avais depuis le début. Là, il est sympa, il me met en haut à droite, qui me passe quand même 1600 trucs de pognon à récupérer. Alors que normalement, je devrais avoir 600, quoi, c'est-à-dire ce que j'ai récupéré dans mon dernier run. Donc ça aussi, je trouve c'est généreux, et ça évite que les choses soient trop laborieuses, quoi. Allez, on se dépêche. Cette fois, je vais pas non plus... gaspiller une fiole, je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai appuyé. Viens là. Voilà, j'ai deux mots à te dire. Merci, au revoir. Hop. L'autre, je calcule pas. Il veut venir, il viendra. Tout de suite. Tu viens ou tu viens pas? Tu viens pas, très bien, reste là-bas. C'est tenter de rusher direct au gros qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Donc, ouais, est-ce qu'il y en a parmi vous qui seront à la nuit Nanarland? On se retrouve là-bas, ce serait cool. Alors là, je vais changer de stratégie. Voilà. J'ai vu qu'arriver à moi, il était encore... Il était genre prenable en furtif. D'un coup. Ouais Marcus, pourquoi? J'aurais pu enfin avoir un win, sniff. Lol, en fait, je m'en fiche, c'est le jeu, j'ai perdu. Force à toi pour cette bataille. Pourquoi t'aurais pu avoir un win? Ah, le nombre de morts, t'étais à 9. Ah, je suis désolé. Ça se passe où cette sauterie? C'est au Grand Rex. Chaque année, une nuit entière de films improbables, genre des films de vikings turcs. En des trucs, tu peux pas imaginer. Oh, l'autre m'a tiré dessus. Oh là là, et d'où tu sors toi? Moi, je t'avais pas vu avant. On va enchaîner avec le connard de Ramoneur. Cette fois, je vais pas tomber dans le vide. Voilà.
Ok. Voilà. Ouf. Bon, je suis pas mal. Est-ce que ça a un intérêt de descendre là? On va pas être descendu là en fait. Opiate Master, c'est une chanson de Mekali. Oh, bien joué. C'était à 8, mais c'est pas grave. Ok. Ça va. Dès que vous ne soyez pas trop rancunier. Mais je suis pas venu là. Bon, hop. Pierre de lune cachée. J'ai ma lune. Ah mais oui, mais c'est un raccourci là en plus. Je me fais chier à monter les échelles à chaque fois alors qu'en fait j'irais bien plus vite par là. Ça donne où ça? Devant chez Clémence. Ah, l'autre con qui saute de son carrosse, je me souviens. Je me souviens très bien de toi. Au tout début. C'est ça. Ouais, je vais essayer de me repérer. Voilà. Ah oui, je vois où je suis. Je suis bien à côté de chez Clémence. Voilà. Et ruelle à gauche, très bien. Eh bah, je vais le soigner. Et on va repartir par le run et c'est pas... Il sera plus court. Ce jeu est bien ficelé. J'ai nominé Gland of War, qui est très en forme. Très en forme. À mon avis, vu leur démarche, ils ont trop bu. C'est pas impossible. Allez, tout le monde respawn. L'autre, 1, 2, 3, soleil. Voilà. Son collègue à droite, on les connaît par cœur à force. Voilà. Je vais carrément les mépriser. Courir direct au raccourci. Et on va aller se faire. Voilà, monsieur tombe, mais c'est pas grave. It's raining man! Alléluia! Ça repart en comédie musicale ce soir, incroyable. Mais oui, il est bien plus court. Pourquoi j'ai pas débloqué ce passage tout de suite? En plus, ça se trouve, j'esquive le ramoneur et. Ah non, il est là, le ramoneur. Merde. Ah, je suis con. Non. Je suis vivant, là? Non. Ok, mais je sais où je suis mort, c'est pas là. Ah, le ramoneur. Putain. Je déteste les ramoneurs. C'est terrible, hein. 11 morts. Eh, ça y est, les affaires reprennent. Alors, je reprends mon pognon. Vous voyez que j'ai 2000... Alors, je me suis fait tuer bêtement, il considère quand même, il est très sympa. Il y a toujours 2000 trucs de pognon qui m'attendent. Allez, on monte. Que les ramoneurs appellent Mary Poppins, ça aurait été pas mal. C'était plus court par contre. Ouais, c'est beaucoup plus court. Ah non, qu'est-ce que je fais? Pardon. C'est plus court par là-bas. Oui, beaucoup plus court. Surtout, regarde, c'est eux, les bases, là. Ouh. Là, il y a le monsieur, je saute. Le tombé du camion, là. Là. Sol. Lui, il roupille. J'ai le temps de passer. Et donc, c'est là qu'il y a le ramoneur. Et c'est là qu'il y a mon pognon, si je suis tombé là. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas que je lui laisse le temps à ce ramoneur de merde de me ramener. Il est là, mon pognon est là. Et il y a l'autre qui va me tirer une balle en plus. Et ben je vais courir tout droit. Comme ça, je me mets à l'abri du mec avec sa balle. Je chope le ramoneur. Oui, il a pas déclenché son truc. Ah, ça y est. Oh, c'est bon. C'est bon. J'ai merdé un peu, mais j'ai quand même bien rattrapé le coup. Et toi, tu vas venir par là, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, je récupère mon pognon sans tomber dans le vide. Le bistrot de Krat, est-ce que c'est une contrepétrie? La biscotte de trop. C'est une nulle en contrepétrie, j'aimerais jamais.
comprendre. Pognon sur la falaise, merci Algomius. C'est bien que je vérifie ça. Ah, alors, si je me souviens bien, lui je peux l'avoir tranquille. Et il y a l'autre con avec sa bombe là qui va pas aimer ça. Oh, oh bah je me lance, elle a pas un peu quitté son pote. Monsieur le ramoneur, on l'avait fait venir pour un petit ramonage, voilà. On l'avait fait venir pour un petit ramonage. Et son confrère, on va lui faire la même. Parce que le pire, ce serait de lui laisser le temps de charger. Voilà. Ensuite, là, je suis obligé de me renflouer un peu. Je vais les baser un petit peu. On va voir s'ils suivent. Quoi ? Je laisse pas ramener, il n'en est pas question. Est-ce qu'ils ont suivi ? Oui, ils ont suivi. Et ça protège à me ramener la tronche. Et il reste l'autre. Deux autres même. Ils viennent avec des flingues. Pas mort encore, putain. Ah, je l'ai pas verrouillé lui, j'ai verrouillé l'autre con avec son flingue. C'est vraiment bien le fil de marionnette. Par contre, ça s'épuise et je ne sais pas comment on le recharge. Alors, si je me souviens, il y en avait un en haut aussi. Là. Voilà. Ramène-moi la cheminée, il y a le conduit qui est bouché. Le ramoneur te conduit à une mort certaine. Bravo! Oh putain, vous êtes fort. Vous êtes fort. Ah là, lui, il m'énerve avec ses chocs électriques là. Pénible. Je vais faire un peu de. Voilà. Un peu d'aiguisage, si ça vous dérange pas. Et là, il y avait un gars là. Voilà, c'est fait. À nous deux, gros. Vérifiez qu'il n'y a pas d'autres gêneurs par là. Parce que j'ai pas envie de me prendre un truc dans le dos quand je serai occupé avec monsieur. Ok, j'ai une fiole, c'est pas terrible. J'aurais pu arriver en meilleure forme. Mais au moins maintenant... Vous m'avez vu ou pas ? Je maîtrise le raccourci. J'ai juste piqué un peu le cul, c'était pas terrible. Ah, barrons-nous. Ah, fiole. J'ai dit petite fiole. Hop, voilà, ça y est. Oh non ! Quoi ? Merde ! On est dans le vide. Oh les cons! Oh le con! J'ai pas vu venir le temps que je le verrouille, c'est trop tard. J'avais le regard verrouillé là-haut, j'ai pas pu le venir. J'ai glissé, chef! J'ai nominé Alex Kawai pour j'ai glissé, chef! C'est tellement ça! C'est tellement la loose! Oh merde! Oh c'est dommage! C'est dommage! Bon, et j'étais pas. J'étais arrivé un peu. Comment dire? T'es pas arrivé au mieux de ma forme, quoi. Ouais, par celui-là, passage. Quand même 3000 boules qui m'attendent là-haut, quoi. Alors, hop. La technique du ghost. Le ghost, un peu. Voilà. Et on monte direct au ramoneur. Et je vais vous dire, même le ramoneur, je crois que je vais le baser en fait. Même pas pourquoi je me fais chier à les buter. J'ai qu'à être assis direct au gros quoi. Allez, j'ai plus le droit de mourir, c'est parce que t'as, c'est ton.
c'est ton pronostic. Regardez ça. Hop. Où est le ramoneur? Est-ce que c'est un ramoneur qui s'est monté aux échelles? Oh merde, merde, merde. Oh, quel con! Eh non, je peux pas sauter. Je peux pas lui sauter dessus. Dommage. Ok, alors, lui. Fastoche. Bah, puis voilà, Fastoche. Pour la première fois. Ah, il a tiré sur son pote. Il y a du friendly fire chez les ramoneurs. Ça, c'est incroyable. Il lui cru. Plus tu cru, comme dirait Germaine. Voilà. L'autre, il va me balancer son truc. Je laisse faire. Et voilà, je l'ai pas verrouillé, c'est ma faute. En même temps, je me protège avec son corps du truc là-haut. Alors, ma méthode de cavaler tout droit n'était pas si mal que ça tout à l'heure. Ça m'a bien réussi. Voilà, ces trois-là, je m'en occuperai plus tard. Ça se trouve, on va même pas se donner la peine de venir. Ah putain, j'ai pas verrouillé, merde. Il est toujours pas verrouillé. Oh non, 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 fausse manip là, merde. Oh non, j'avais verrouillé, je vous jure, j'avais verrouillé. 13, désolé pour ceux qui avaient voté pour 12 morts. Oh merde, je suis obligé de repartir de là. Bon, en tout cas, c'est pas mal ma méthode de baser tout le monde. Même le faire dès le début, allez, c'est même pas le premier. Me prendre des coups de petits trucs dans le dos, mais je pense que ça vaut le coup. On va tracer, on va pas passer la soirée là-dessus. Donc c'est le gros qui me pose problème. Les autres sont pas en théorie des problèmes, donc voilà. Déjà là, j'ai vu quand même beaucoup d'ennuis. On gagne du temps. Bon, c'est de l'argent. Pas besoin d'argent, mais on va vous faire perdre votre temps. Hop. Ramoneur, tant pis pour toi. Voilà. Hop, et là je monte, je me retourne pas. C'est l'erreur que j'ai commise tout à l'heure de me retourner. Voilà, là j'arrive en pleine possession de mes moyens. Là je vais prendre zéro risque. L'autre, il va me balancer sa petite bombasse. Je vais pas le laisser faire. Là, lui, avant qu'il me charge, je le verrouille, il dérouille. Pépère là, il va me jeter des trucs. Eh bien, là, toi t'es verrouillé, tu viens là. Le sans faute, hein, on est d'accord que c'est le sans faute jusqu'à présent. Pas mal. Récupère mon pognon au passage. Je crois que j'ai pas récupéré mon pognon et je crois qu'il arrive, mais je le savais. C'est bon. Tu me laisses faire maintenant. Oh merde! C'est quoi ça? Ah oui, parce qu'il y a toujours. Non, faut que je monte m'occuper des mecs. Sur le toit, ça se trouve, ils vont me pourrir la vie depuis le toit avec le gros là. J'ai vraiment pas besoin de ça. Voilà. Il est l'heure d'arrêter les votes. Ah bah ça fait longtemps qu'ils sont arrêtés les votes. Tu veux dire, il est l'heure d'arrêter le stream. Oh, ça t'arrange, c'est ça? Je commence à les connaître. Donc je sais quand ils vont larguer leur merde là. Ils me laissent plus faire. Je verrouille. Là, on vérifie. Personne dans l'autre pièce. Ok, le ménage est fait a priori. On peut y aller. C'est là qu'est la concentration, il a raison. Et dit de trop près. J'ai tout ce qu'il me faut. Je vais aiguiser ma lame. Clac. Je prépare mes potions. Je prépare mon fil de marionnette. Il m'en reste pas beaucoup, mais ça peut servir. Et si je l'arrête, si je la tirais là-dedans, est-ce que ça... Pas mal de la tirer là.
Avec un peu de chance. Ah, j'allais dire un peu de... avec un peu de chance, il est trop gros pour rentrer dans. Non, j'allais dire, il est trop gros pour rentrer dans l'arche. Non, mais par contre. Mais par contre, c'est pas mal de toi, le tourniqueté autour du pot là. Oh, j'ai raté l'entrée de la porte. Ça me coûtait cher. Oh, je déverrouille. Ah, oh, je dérouille. Oh, vite. Parons-nous là-bas, une potion. Est-ce que je peux lui piquer ça? C'est pas le moment, il va m'arriver dans le dos. Allez, on y retourne. C'était pas si mal. Faut pas que je tombe. Putain, je suis mort, qu'est-ce que c'est, choc électrique? Il y avait quoi? Il y avait une merde par terre. Oh, j'étais pas si mal que ça. J'étais pas si mal que ça. Oh la vache. Oh la vache. Ah là 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 là, 14 morts. Oh, faut que je finisse au moins ce stream en occupant de ce gars, c'est pas possible. Pas rester comme ça sur un échec. Ben, ça l'avait prévenu qu'à bout d'un moment, le nombre de le compteur de morts allait s'envoler. Il a pas l'air si difficile que ça, là. J'avais dû lui enlever la moitié de ses points de vie, là, quand même. À force. J'ai trouvé quand même un bon raccourci. Vite quand même bien les ennuis. C'est le quart d'heure bullet time. Tout à fait. Je peux peut-être améliorer ma routine. Et carrément même tracer. On va tenter le rush total. Genre, je m'occupe même pas des ramoneurs quoi. On va direct au gros quoi. Direct au gros du... spectacle. Est-ce que les autres ont suivi? La réponse est oui. Meurs. Les autres ont pas su. Pas suivi, je sais pas. Ils ont l'air de vouloir venir quand même. Ouais, vaut mieux que je me les fasse dans le couloir. Ah, l'autre il fait chier avec ses boulettes électriques là. Viens là. Ok, on va voir si. Oh putain, j'ai oublié d'utiliser une fiole. On va voir si. Ah, mon pognon est là, ok. Voilà, je t'ai pas oublié. Voilà. On va voir si je me fais bombarder du haut des toits quoi. Ok, on va faire un peu d'aiguisage. Ma méthode était pas si mal, j'ai pas raté la porte. Je suis quand même un peu en sécurité et je risque pas de tomber du toit ici. 42 morts, le chiffre 42 est bien, la rondelle fine, mais... pas sûr que je puisse te faire plaisir. Alors, d'abord, je récupère le pognon. Ensuite, je fais demi-tour. Ça se trouve, moi aussi. Oh la vache! J'allais dire, ça se trouve, moi aussi, je peux le faire tomber dans le vide. Oh. Ah, je suis coincé par la caméra, je vois plus où je suis. Il y a quelque chose qui me bloque et je vois pas ce que c'est. Bordel, hein, je déteste ces moments-là. Je ne sais pas pourquoi je suis bloqué. Je ne sais pas pourquoi je suis bloqué. Ah, ça, ça m'énerve, ça. C'est une issue par là en même temps. Ah, il y a un truc là. Oh, il arrive. Ok, mais c'est un checkpoint, j'espère que je vais... Il me fait peur.
Ah, l'autre avec un ramoneur sur le côté, j'avais pas vu. Oh, oh merde, j'ai plus de points de vie. Mais j'ai plus de piole. C'est chaud, patate. Il me reste un millimètre de vie. Oh merde. Oh, je t'avais pas vu, quoi. C'est l'enfer, ce jeu. C'est l'enfer. Il me reste un millimètre. S'il me touche, c'est fini. J'ai besoin de repos. J'ai besoin d'une fiole, surtout. Mon royaume pour une fiole. Oh putain, mets de l'huile. Sur les toits, il va t'arriver. Ah la vache. Est-ce que l'autre a renoncé? Et voilà, il tombe comme une merde. Alors que j'étais. Est-ce que je peux me téléporter à ce Starglazer direct? Alors là, ce serait pas mal. Ça m'éviterait les ennuis. On est mort 15 fois, les amis. Oui, il me remet là. Ah, super. J'ai pas à refaire tout le chemin. Du coup, je n'ai plus peur de toi, vieux con. Là, je récupère le pognon. Là, maintenant, je sais qu'il y a un ramoneur sur le côté. Donc, tu ne me laisses pas faire. Oh la vache, leur charge là, je sais même pas si on peut la parer en fait. Ok. Il y en a un autre. Il venait du coin de la rue ou je sais pas. Voilà. Très bien. Oh là, il y a beaucoup de choses à voir par là. Je vais... Comme le gars courage, je vais... Je veux quand même me taper le gros là. Je voudrais finir là-dessus. Quelle heure est-il? Le temps, ça va. Donc, je me repose et on va attaquer le gros là. Moi, je veux finir sur un beau geste, vous voyez. Et puis, je pense qu'on continuera la semaine prochaine parce que c'est vraiment cool. Et la semaine prochaine, on ira explorer l'autre côté. Alors. Si j'essaye, ça lui fait rien là. Ah. Ouais, mon truc là, ça a pas l'air de le toucher tant que ça, l'électricité. Par contre, j'ai ma jauge de bleu qui est prête là. Vache. Oh, son saut, il a fait mal. Oh, il est prenable. Franchement, il est prenable. Voilà, je tourne le tour tranquille. Ça fait du bien. Bah voilà. On n'a pas 20 km. On n'a pas 20 bornes à faire avant d'arriver. Ah merci. Merci mon Blasero. Ah il y a Machibana en plus. Ah super. Coucou Machibana. Bienvenue chez nous. Qu'on n'a pas 20 bornes à faire avant de se taper le boss. Voilà. Ça se passe mieux tout de suite. Incroyable. Ah Shibana, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais des soucis avec ton ancien propriétaire. Est-ce que les gens peuvent être pénibles avec les gens adorables? C'est incroyable. J'espère que ça va s'arranger. Et que la paix, parce que vraiment, c'est lamentable. Donc tiens, bon. Donc voilà un petit sub offert par Vlacero pour te faire plaisir. Et non, je mets pas mes lunettes SSX. Parce que c'est le stream du jeudi soir. Je suis coquet le jeudi soir. J'essaie d'être à peu près présentable. Alors que je n'ai rien à foutre.
Non, non, mais c'était bien ce principe de stream à l'arrache, c'est que c'est voir vraiment comment ça se passe quand je prépare un jeu. Et par exemple, là, il y a beaucoup de petits textes et de trucs à lire, donc c'est important d'avoir mes lunettes en fait. Mais une fois que je les ai lus, j'ai plus besoin de les relire, donc des lunettes. C'est quoi nouveau tir 2 et pourquoi ça fait ce bruit là? Merci. C'est super machin, 21 mois d'affilée, bravo, merci. Et ça fait le logo de Sega, j'ai trop bien. J'avais pas entendu ce petit truc. Hop hop hop. Ça c'est moins bien, un ramoneur planqué dans un coin. Alors qu'est-ce qui se passe? On dirait que ma lame est fatiguée, je vais peut-être faire un peu de visage. Voilà. Prépare une fiole. Alors là, il y en avait un autre. Juste à l'angle du toit. Oh purée, il y en a un qui m'envoie des trucs. Où est-ce qu'il est? Sur les toits. T'es où? T'es là! T'es là, comment on monte? On va me faire chier longtemps, toi. Pas d'autres? Ouais, il n'y en a pas d'autres. C'est toi qui jette des cailloux, connard! Voilà, t'apprends à acheter les cailloux, moi. Ah, il a un pied. Oh, purée. Oh, un ramoneur en plus. C'est bon. Il est mort. Oh, il y a du monde en bas. Beaucoup de monde en bas. Ok. Bah, moi, je suis bien, là. Je peux monter à cet échafaudage. Non. Ah, tiens, tu es là. C'est joli, mais c'est juste joli. Pas monter, en fait. Pareil. Ok, j'ai vu une échelle tout à l'heure. Ça se trouve, c'est un raccourci. On va aller voir ça. Saute, disciple de Balboa. Mais tu veux ma mort? Ma parole. Je sais pas trop descendre. Un peu plus en bas. Je vais déjà aller chercher ça. Moi, je suis nul en... Je suis nul en poutrelle. Alors, du coup, je veux bien voir ce qu'il y a en bas. C'est là-bas que j'étais tombé tout à l'heure. J'ai pris un choc électrique. Alors, je peux descendre de ce côté-là ou de l'autre côté. Et je peux même aller en face. Papillon de lumière. C'est le fantôme de Cindy Sanders. C'est une petite fée, ça se trouve, je ne devrais pas la buter, c'est la petite clochette. En même temps, si ça a des points de vie, s'il saigne, c'est qu'on peut le tuer. S'il a des points de vie, c'est qu'il est fait pour être tué. J'espère que c'est pas une connerie. Pierre de lune cachée. Occasionnellement, un papillon dimensionnel apparaîtra à certains endroits. La lampe de nomade peut détecter les papillons et s'illumine en rouge pour indiquer leur emplacement. Lorsque le personnage à proximité du papillon caché, celui-ci apparaît. Au bout d'un certain temps, le papillon disparaît dans une autre dimension. Tuez-le pour obtenir une magie rouge. Ou tuer des papillons. Bon, bah, c'est pas très glorieux, mais. Mais c'est ce que j'ai fait. Des poutres et des ramoneurs. Ah oui, c'est soirée luxure. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être allumer mon Jimmy. Parce que je pense qu'il peut m'avertir de certains dangers. Quelqu'un? Mon pauvre bébé. C'est mon pauvre bébé. Je descends avec place. Ouh, c'est trop gros pour moi ça. On monte. On monte l'échelle là-bas. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. C'est la fellation, c'est la feignasse. Tu viens de buter un papillon devant ton criquet au calme. Oui. Ah, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un? C'est ta première fois dans la zone de quarantaine de la pute. Hey, mais moi je suis courageux. Oui, je le dis toujours. My family took my baby from me and sent me here. They said it was for my good. Très Manor, c'est ça. But it was baby. Il a pris son bébé, bah, on va pas. À la mairie. C'est où la mairie? On n'a pas vu la mairie, on a vu la tour. Oui, je le trouverai bien sûr. Thank you so much.
kind one. I came back. Ok, bon, voilà, vous trouvez son bébé à la mairie, vous. Vous mettez un petit post-it quelque part pour que j'y pense. Alors attendez, c'était quoi en bas là? Quoi ça? Oh, c'est un gros flic comme celui que je me suis tapé à la gare. Honnable ça, non? Qu'est-ce que je peux être présomptueux? Quand je m'y mets. Où est mon échelle? Attendez. Pas tomber. Macron. Descendre là. Bon. On va essayer. Et puis si ça tourne mal. Pourquoi je prends un... je prends une potion alors que j'en ai pas besoin? Si ça tourne mal, j'ai toujours l'échelle. J'ai pu me cacher pour le prendre par surprise. Je suis agile, qu'est-ce que je suis devenu agile? Oh, je vais me prendre des tartes dans la gueule. Oh la vache, pas eu le temps de me courir vers l'échelle. Bonne nuit, Dizengal. C'est un... je vais faire un gros dodo. Un gros dodo après ça. Oh la vache. Mais lui aussi il est prenable. J'ai envie de dire. Alors par contre. J'ai pas trouvé de raccourci, il faut que je me retape tout ça. Alors pareil, est-ce que si j'y vais en mode je cours? Hein? Personne ne me le reprochera. Voilà. Pas tous, s'ils veulent venir, ils viennent. Et je vais les attendre dans un endroit qui sera à mon avantage. Ah, pourtant j'ai essayé d'esquiver. Mais j'ai l'impression que ça s'esquive pas, Ramoneur. Attention, zone de quarantaine de la pétrification. Accès interdit. Ah, mais je gâche. Je gâche tellement, mais... alors, mon pognon est là. Allons vite le chercher. Je gâche tellement mes potions. Ou alors, ce que je fais, au lieu de me friter, me cacher là. Ah, j'ai pas récupéré le pognon. Elle peut pas monter avec ses gros doigts là. Ouais. J'hésite entre l'attaquer de dos ou fuir. Ok, ça n'a pas marché. Donc plan B, la fuite. Même la fuite, c'est compliqué. Ah, je veux tracer pour voir s'il y a quelque chose au bout là. Oh là là. Ouf. Ah mais ça se trouve je vais ouvrir un raccourci pour l'autre côté. Vite, 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 j'ai quand même beaucoup de gens à mes trousses. Le pont de l'alchimiste. Toutes les marionnettes sont je ne sais pas quoi. Ah un âne, mais c'est vraiment comme dans Pinocchio quoi. Hey, il s'est enfermé dans sa petite caravane, Gepetto. Je prie des morts, oui, il y a des chances. T'as quand même une tête d'âne. Oh merde, il va falloir se battre. Oh, ok, je suis pas en grande forme. Ouf, et puis il y a quand même de l'allonge, pépère. Oh. Si je peux en placer une. Oh. Oh. Alors, pas mal en passer. Oh. Non. Oh. Il est chaud l'âne. C'est l'âne de Shrek. Eh mec, prends un petit tac. Oh vache. Tu me fous du boulot. Oh la vache, oh, je l'ai vexé. L'âne fou qui fait du kung fu. Très bien. Ça valait le coup de courir jusque là. Mon fichier n'arrive pas forcément en forme. 17 morts. Très bien.
Il y a peut-être un moyen plus... Ah, mais il y avait un mec là. Il y avait mon ami le marchand. Why, hello. I didn't know anyone was alive out here. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry. For your information, I didn't steal this. Alors, oh, mais de plus en plus de matériel, curieusement. Mais moi, j'ai plus de pognon. L'âne m'a tout pris. Ah, attendez, là, il y a un truc. J'avais pas vu, il y a un ascenseur. Ah, l'ascenseur, ça doit être un... Ça doit être un raccourci. Et quand je suis arrivé à l'âne, avant l'âne, j'ai ouvert une porte. On est d'accord, j'ai ouvert une porte. C'était pas un raccourci, c'était... Allez, je refais mon rush. C'est quoi? C'est le truc qui menait à l'âne en fait. Pas vraiment un raccourci. J'y retourne. Au moins récupérer mon pognon. Ça va de l'âne en pire. Est-ce que si je me mets sur le côté, genre, il ne verrait pas? Il ne verrait pas. Il m'a vu tout de suite, oui. Ok, donc là. J'étais parti de quel côté? J'étais parti par là et à droite. Ouais, déjà, j'ai l'impression qu'il y a des gros méchants dès le départ, quoi. Elle est jeune. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Si c'est un raccourci ici, je pourrais y revenir plus facilement. Il faut une clé. Ok. Et c'est la clé de la mairie. Ah, ah, ah. C'est même pas de me battre. J'essaie de trouver un raccourci pour revenir là plus vite en fait. Et on fera ça, je pense, la semaine prochaine. Il commence à être tard, mine de rien. Crevez, mon gars. Crevez. Et c'est pas le moment de s'arrêter. Moi, si vous voyez une échelle ou un... Ah bah voilà cette porte-là. Ah, je vais me faire tuer, mais... Mais j'aurais ouvert cette porte. Et je sais pas où ça donne, mais on va voir ça tout de suite. C'est le camp qui a le bonnet d'âne. Très bien, allez. J'y retourne en courant. Ah mince, on perd maintenant. Hein. Trop de pièces dans cette maison. C'est pas là que je vais vers là. Allons-y. Et il faut que j'aille chercher mes sous. Passe à la banque. Après, on voit. Et encore toute cette zone à explorer, c'est quand même du boulot. Est-ce que ce serait pas un raccourci de descendre par cette échelle? Tout le monde nous poursuit. On va faire au plus simple. On a peut-être un chemin plus court, mais... Ça, c'était pas si mal que ça, finalement. Là, lui, je laisse venir pour pouvoir le contourner. Enfin, une voie directe, en fait. Ok, c'est quoi, pas d'hésitation. C'est pas un pognon. Oh merde! Oh merde, un petit bon s'y met. Ah, une échelle. Les échelles, ça m'aide bien, j'ai rien. Oh, on m'en veut. Oh, un ramoneur. Il m'a pas vu. Ah, mais là, je vois où c'est. Ok. C'est là où j'ai rushé tout à l'heure. Ok, donc je vois l'idée. Je vois l'idée. Vas-y, je vais redescendre.
Jouez comme moi. Je sais que ça va être les mêmes méthodes. À la con, c'est possible. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il y a beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses à découvrir dans cette zone. Mais il y a du pognon, visiblement. Donc ça vaut le coup de... Et là, je remonte. Pas du tout. Beaucoup trop de monde et beaucoup trop de morts. Ok, et je suis au pied du toit où il y avait les Ramones. Allez, je récupère mon pognon et on n'en parle plus. 19 morts. C'est pas fini, c'est pas fini. Il y en a que ça doit décevoir, évidemment, 19 morts. Mais je crois savoir où je suis mort. Je pense pouvoir y aller relativement vite. Voilà, je pense que si je descends là... Ah. Voilà, mon pognon est là. Oh, il y a trop de choses à découvrir, il faut qu'on prenne le temps de découvrir cette zone ensemble. Oh, et les chiens à la Resident Evil. Excellent. Et pourquoi c'est bloqué ici? Oh non, je veux pas mourir là. Laissez-moi, messieurs dames. Oh la vache. Oh, c'est quoi cet enfer là? Chaque fois que je reviens récupérer mon pognon, je... On va perdre, c'est tout. Mais je sais où il est. La curiosité, c'est ça la curiosité. L'avarice, le greed, le fait de vouloir avoir toujours plus, c'est ça qui me perd à chaque fois. Il est là le chien. Il est là le vilain monsieur. Ça vient le temps. Monte, plus vite. Oh, le chien qui m'a... Parce que je trépigne. J'ai eu très très peur. Ok, si je me débrouille bien. Retourner au checkpoint. Sans trop de difficultés. Et on se gardera l'âne pour la prochaine soirée. Les deux guignols là, je connais par cœur maintenant. Voilà, j'ai tout mon pognon. J'ai combien? J'ai 3000. On va retourner chez mes mères. Et on va... où est-ce que c'est? C'était l'entrée du boulevard. C'est là. On va monter d'un niveau et on va s'arrêter là, les amis, pour ce soir. Donc je vais aller regarder les meilleures vannes et les meilleurs pseudos. Et on va enfin récompenser tout ce petit monde. Et on va bloquer notre compteur de morts. Hein. Alors on est à combien? 20 je crois, tout rond, non? Combien de morts? Sophia, tu peux me faire monter. Ah, 20 morts, 20 morts tout rond. On va voir qui l'avait prédit. Est-ce qu'on a un gagnant, mon dindin, pour les 20 morts? Je vais aller voir le fichier Excel. Je sais pas si vous avez mis le nombre de morts dans le fichier Excel. On va voir. Thierry avait dit 19. Ah merde. C'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. Alors, si je vais sur le fichier... Où est-ce que... Comment je fais apparaître? C'est là. Voilà, j'ai les meilleures vannes et les meilleurs pseudos. Mais j'ai pas réactualisé. Donc je refresh. Voilà, j'ai tout. J'ai tout. Ah, j'ai tout. On avait dit 20 morts. Oh, incroyable. La seule personne qui a deviné qu'il y avait 20 morts, c'est la Miss Abyss Kabougamel. Incroyable. Incroyable. Ah, je suis trop content. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Bravo la Miss Abyss Apu Caramel, félicitations. Donc c'est pour toi le... Comment? C'est pour toi le petit chien affreux. Voilà, il est là, je te le fais voir. Il est absolument terrible. Ah, bravo. Est-ce qu'elle est encore là? Je sais pas. Moi, je vais continuer. Je vais continuer pour aller me chercher mes petites récompenses là. Ici, moi aussi, j'aurai ma récompense qui va être d'améliorer les performances de mon personnage.
Et on va regarder tout de suite dans la foulée la meilleure vanne et le meilleur pseudo. Mais avant ça, je vais parler à Sophia. Alors oui, s'il te plaît. Et combien? 3000. J'ai monté la mobilité peut-être. Voilà. Là, je suis pas mal. Voilà, je suis pas mal du tout. S'arrêter là, regardez comme c'est beau. Lors des récompenses. Alors, les amis, dans les récompenses, qu'est-ce que j'ai? En meilleur van, en meilleur pseudo. Voilà, ouvrir. J'ai une souris qui marche pas très bien, en fait. Donc, c'est galère pour ça. Alors, la meilleure van d'abord, ou le meilleur pseudo. On va commencer par le meilleur pseudo qui recevra donc le fameux gobelet de Game One Ultra Collector. Nous avons nominé 49-3 Street Fighter 2. Très bien. L'ami Sabi, l'ami Sabis Capo Caramel. Franchement, je kiffe tellement son pseudo. Alors, elle a déjà gagné le nombre de morts, ce qui est déjà vachement bien, mais n'est pas à l'abri de gagner aussi le meilleur pseudo. Donc, j'en prends 49-3. Très bien. Street Fighter 2. Ça, c'est vraiment bien. Et je crois qu'il a jamais gagné, il mériterait. L'ami Sabis Capo Caramel. Donc, l'abbé Chamel, ça aussi, nominé depuis longtemps. Gland de foire, ancien pseudo de Red Diplomite, très bien aussi. Mister Fantastique, j'aime beaucoup. Et nominé qu'on a nominé. C'est pas tellement con, c'était drôle. J'hésite. Je suis tenté par la Miss Capo Caramel parce que. C'est tellement drôle. Mais je pense qu'on va prendre Street Fighter 2. Parce que je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment drôle, Street Fighter 2. Donc Street Fighter 2, ce sera pour toi ce soir le meilleur pseudo. Bravo. Attends, je retourne. Le problème, c'est que je ne vois plus le chat quand je fais ça. Donc, je ne vois pas. Donc, bravo Street Fighter 2. Excellent. Excellent. Pseudo. Donc c'est vraiment très très bien joué. Et les autres, évidemment, vous êtes passé à ça du meilleur pseudo. Donc n'hésitez pas à revenir très vite sur le chat. Vous avez toutes vos chances. Voilà, ce sera pour toi. Tu pourras boire à ma santé avec ce petit gobelet. C'est juste... il est collector. Il est collector et gratuit. Incroyable. On a vraiment... on ne se refuse rien chez Game One. Et dernier truc qui me reste à récompenser, la meilleure vanne. Nous avons Nez pour tuer, mais le nez NZ. Ça va. C'est la cage aux fioles. C'est vrai que j'ai pas arrêté de me goinfrer de fioles. C'est pas Versailles. C'était très bien ça. Sophia Copeau de Bois. Chapeau. Franchement, elle était belle celle-là. Qu'est-ce qui se trame quand le tramway m'est tombé sur la gueule? C'était vraiment bien. Lies of Peace, c'est le mensonge des vaches. À cause des pies, je l'ai pas vu venir, mais elle est vraiment bien. Très bien. Le jeu est bien ficelé quand même. Et j'ai glissé chef, évidemment, qui était quand même absolument. Incroyable. Et très bien placé. J'avoue que Sophia Copeau de Bois, je ne l'ai pas vu venir et c'était vraiment drôle. Allez, c'est pour toi. C'est une vanne de Johan 1977 bis. Donc Johan, bravo. C'est toi qui vas recevoir le joli petit Batman avec son squelette. On voit tout. Là. Batman en toute transparence. Voilà. Il est pour toi ce soir. C'est la classe. Bah les amis, vous m'avez régalé. Une fois de plus, c'était top. Donc on va se quitter là-dessus et puis on fera peut-être la semaine prochaine la suite. Moi j'ai envie de continuer en tout cas, donc est-ce que ça vous dit qu'on continue? Dites-moi ça dans le chat. Vous aussi, Kira aussi a envie qu'on continue. Le bat-squelette, il est cool le bat-squelette. Non, vraiment il est bien. Vendu, tout le monde est d'accord? Ouais, ok. Alors à moins qu'on trouve mieux, j'ai bien besoin de récupérer The Crew Funfest ou je sais plus quoi, qui a l'air sympa. Mais un jeu de bagnole sur moins sympa que ça quand même. Et puis on risque d'en baver la semaine prochaine, je pense. Vous avez vu la zone d'où on vient, hein? Patate, j'ai l'impression. L'âne, il a l'air bien relou aussi. On va voir tout ça. Je floute tout à coup. Bah oui, c'est parce que j'ai montré les objets près de la caméra. Et la caméra a toujours du mal à s'en remettre à chaque fois. Faut que je remette ma grosse tête, mon front de Macron, voilà, comme ça, sur la caméra. Comme ça. Elle fait le point sur mes yeux en général. Et quand je recule, bah non. Elle fait vraiment ce qu'elle veut. Elle fait vraiment ce qu'elle veut. Je vous fais faire un petit looping. Mais l'écran à l'envers. Clac. Et là, normalement. Merci Taradé, c'est très gentil pour le follow. Voilà. Je suis plus flou. Je suis bien là.
On est bien. Voilà les amis, c'est tout pour ce soir. Vraiment, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir soutenu. C'était vraiment top. Bravo pour vos pseudos très drôles. Bravo pour vos bonnes vannes. C'était vraiment bien. On va aller peut-être... on va voir qui travaille encore à cette heure-là et qui fait un petit stream un peu sympa. Et je vais vous envoyer là-bas, si vous voulez. On va faire un petit passage. Antoine Daniel fait du Minecraft. Bagara Jones aussi. Ils doivent être ensemble, à mon avis. Alex Blaze fait des racines et des... Je vois pas la suite, mais c'est pas mal. XO Trixie... Ah, Trixie, j'aime bien ce qu'elle faisait. Fait du Cyberpunk 2077. Très bien. Le Benzaï est dans Lies of P, lui aussi. Et ben... à chaque fois... La dernière fois, il faisait du Starfield en même temps que moi. Et évidemment, à un autre niveau. Donc ça peut valoir le coup de... Comment ? De voir quelqu'un qui a vraiment du niveau. Donc allez, on va retourner chez l'ami Benzaï. On va faire ça. Allez, on va faire un raid chez Benzaï, les amis. Il jouera mieux que moi, je pense. Puis ça peut peut-être me donner des indices pour la suite de ce stream. Bon, bah c'était cool. C'était vraiment cool. Il va faire un raid au dodo, le Florusso. Tu as bien raison, il est vraiment tard. Merci de rester si tard à chaque fois. Et si nombreux, c'est toujours un plaisir. Soyez sages, passez une bonne nuit, une bonne semaine. On se retrouve dans le courant de la semaine pour la préparation des level 1 avec du level 1 un peu à l'arrache. Sans cadeau à gagner, etc. Juste pour passer des bons moments avec vous. Et puis, on se retrouve mercredi dans Team Game One. Exceptionnel. On fête la 500e de Level One grâce à Snakehead. Et il y aura Gérard Bast et Johan Lefebvre qui seront avec nous. Et Julien Telouk. Donc, on aura 4 animateurs avec moi de différentes époques de Level One. Et on jouera ensemble à Overcooked. Un gâteau d'anniversaire pour Game One. Donc, ça sera vraiment, je pense, un grand moment. Et un beau bordel surtout. Mais j'ai hâte d'y être. Ça, c'est la semaine prochaine. Ce sera le Level One en direct. On en tournera 3 autres le matin. Vous verrez la préparation sur mon stream ici. Voilà, c'est tout pour ce soir, les amis. Vraiment encore merci. Merci à mon dindin. Merci à mon Vlacero qui veille toujours sur nous. On a eu du boulot ce soir avec le nombre de morts à calculer. Toutes les vannes qui ont été nominées, tous les pseudos. C'était incroyable. Et ce fameux lancement de pub qui a plutôt bien marché. On maîtrise pas les pubs qui partent quand même entre-temps. Mais je pense qu'on limite pas mal les dégâts avec ce système de pub à un moment donné où on fait une petite pause. Même si j'en ai profité pour faire des imitations. On ne peut pas s'en empêcher. Allez, je vous fais des gros bisous. J'envoie le petit générique de l'ami Tom. Et d'ailleurs, en passant, ça me fait penser à Tom. Ce week-end, je suis à Nancy, dimanche, pour Geek & Co. N'hésitez pas à passer me voir. C'est une espèce de grosse brocante de geek, de jeux vidéo, de rétro gaming, etc. Avec des trucs neufs aussi, mais voilà. Une espèce de gros supermarché de geek qui se tient pendant une journée le dimanche. Donc n'hésitez pas à passer, et Tom Novembre passe me voir. Donc si vous voulez voir Tom au passage, il sera là. Si vous voulez lui faire un petit coucou, ça lui fera plaisir avec moi vers l'heure du déjeuner, je pense. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes du côté de Nancy, passez me voir à Geek & Co. Et sinon, on se voit en faux mercredi. Donc ça, c'est ce dimanche, hein, Nancy et Geek & Co. Et ensuite, mercredi, Team Game One. Ensuite, Level One avec les anciens animateurs de Level One. Et jeudi... De retour ici, sans doute avec Lies of P. Je doute de trouver quelque chose de plus intéressant d'ici là, mais tellement de bons jeux en ce moment. Allez, bonne nuit les amis. Bonne nuit à la Randalphine, bonne nuit Gamer Digital, bonne nuit Pied de la Chaise Bancale, bonne nuit Penny Fall, bonne nuit Malex Kawaii, bonne nuit Kira, bonne nuit ma petite Jade, bonne nuit mon Vlacero, merci encore, bonne nuit Maman et Geek, bonne nuit Snekou, pareil, qui met en ligne à chaque fois toutes mes bêtises, vraiment, vraiment, merci, et qui comptabilise les level 1 encore une fois. C'est grâce à toi si on a réussi à tester cette 500e, sinon personne n'aurait calculé. Bonne nuit Tileno, bonne nuit El Florusso, bonne nuit c'est Six Tugamo, soyez sages, fond du caleçon marron. Bonne nuit Lion Lior, merci, t'as eu des bonnes vannes ce soir, bravo à toi. Droll Madère, bonne nuit, très bon pseudo. Bonne nuit Guillaume Noël, bonne nuit mon Mix Zelda, Syntax Error, bonne nuit Kratosaurus, bonne nuit mon Sandmaster. Bonne nuit à tous, je vous fais des gros gros bisous. J'envoie la petite musique de Tom et on se retrouve ce week-end en vrai et mercredi dans la télé. Soyez sages, ciao. Salut les petits amis, salut, du 21e siècle, écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pro Nutella, c'est un geek.
Québec, c'est un rock, c'est une péninsule. Collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule, on l'appelle Monsieur